Bonjour. Bonjour, vous nous entendez bien? Il n'y a pas trop de musique en fond. Alors, depuis un moment, j'ouvre de ce côté-là, mais peut-être qu'il faudrait que je fasse dans l'autre sens. Peut-être comme ça, c'est mieux. C'est un peu mieux. On est plus contrasté. Ouais, en fait, faut qu'il y ait une différence entre le fond et la forme, comme on dit, le fond et nous. Donc on doit être nous, un peu sombre ou un peu clair. Toi, t'es un peu trop clair. Ouais, c'est mieux comme ça. Désolé pour le bruit rideau. Voilà. Donc là, nous sommes totalement enfermés dans ce qu'on appelle une maison. Je pense qu'on va pouvoir commencer, je suis désolé. J'ai mis en place Voice Meter toute la journée, donc j'ai la tête un peu ailleurs. On va essayer d'être concentré ce soir. En tout cas, bienvenue sur le 31e épisode de Chronologie des femmes artistes. On en est donc à l'épisode 31. 31 sessions de découverte, de partage, de plaisir. Je pense qu'on peut dire que ce stream est donc vieux. Il est donc très vieux. Il est millennials. Il vient de passer millennials. Voilà. Alors, peut-être Zoomer, non, c'est quoi déjà? Zoomer? La génération qu'on avait, c'était quoi? XY? Ouais, je sais plus. La génération quelque chose. J'sais génération non non. Ouh là là. Des canana. C'est ça? Ça commence bien. Hein. Ouais, d'habitude, c'est moi qui commence par ces petites choses d'ambiance. Écoutez, là, cette semaine, c'est 13 bis qui le fera. Donc, petit récapitulatif pour les nouvelles sur ce stream. Qu'est-ce que nous faisons ici le jeudi soir à 21h pendant à peu près 2h? C'est que nous partons donc à la découverte de parcours de femmes artistes qui ont un travail qui est inscrit dans ce que on peut appeler l'histoire de l'art. Donc il pourrait même être des histoires avec un S, mais on a utilisé histoire de l'art parce qu'on est vieux et qu'on a dit c'est histoire de l'art. Donc ça, on partage avec vous des pratiques plutôt visuelles, donc de la peinture, de la sculpture, du dessin, de la photographie, de la gravure, etc. On va vous montrer les photos, évidemment, donc vous allez pouvoir découvrir visuellement avec nous le travail de ces artistes. On cherche, enfin en tout cas, on découvre des artistes entre, pour l'instant, ce qu'on a ouvert entre l'Antiquité et 1981, date qu'on a repoussée au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est arrêté en 1981, pour une simple et bonne raison que c'est une date qui nous permet d'inclure des profils plus diversifiés que les années avant, où on a beaucoup de personnes eurocentrées, enfin qui ont bougé en Europe, etc. Mais c'est des profils assez similaires, sauf exception, mais voilà. Ouais, c'était moins inclusif, quoi. C'était moins inclusif, et puis c'était moins... voilà, il y avait moins de diversité, et puis c'est aussi... une date qui permet d'inclure aussi des différents mouvements de libération, de parole et même d'existence, autant pour les personnes noires aux États-Unis, par exemple. On est après les mouvements antiségrégationnistes. En fait, on est après l'apartheid. Voilà, on est après l'apartheid. Après, on a pu voir aussi que... il y avait du côté de l'Asie aussi plusieurs régimes que certaines personnes avaient fui, et donc ça a fait des migrations, etc. Donc ça permet d'inclure ça. Il y a le chat qui joue avec un truc improbable, donc qui fait du bling bling, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas ça à la maison. Il y a un gros lot, genre. Oui, il n'y a pas de gros lot à la maison, mais bon. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter des parcours d'artistes à travers leur page Wikipédia. Pour une simple et bonne raison, c'est la source qui nous a paru la plus simple et la plus accessible pour retrouver ces parcours et puis pour naviguer à votre tour, enfin comme source première pour aller chercher d'autres informations. Donc on part des pages Wikipédia et on va chercher comment ces femmes artistes ont construit leur carrière, où elles ont étudié, enfin voilà un petit peu comment leur travail a évolué jusqu'à... On essaye aussi de trouver une description de leur travail, qu'est-ce qu'elles faisaient, quoi, plastiquement. Et ensuite, on regarde les visuels, les photos, on commente ou pas les pratiques en fonction des sensibilités, de ce qui nous plaît et tout ça.
Et ce qui va être très important pour nous, ça va être de trouver ce qu'on a appelé la date de monstration, qui est notre repère sur la frise chronologique qu'on construit. Donc on part sur le principe que on cherche une période, une première période d'activité où le travail était visible par des personnes, par un public un peu plus large que le cercle familial, par exemple, ou que le mari, ou l'amante, ou voilà, ou la sœur, enfin. Donc on sort de ça, on essaye de trouver la première date de monstration, on place sur la frise, qu'on vous remontrera après. Voilà, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pages Wikipédia qu'on vous présente sont souvent des renvois d'autres pages. Donc, par exemple, ça va être une page où on va voir qu'il y a le nom d'une femme artiste qui arrive sur, je sais pas, le nom d'une professeure, ou des fois, c'est dans des familles aussi, il y a plusieurs noms d'artistes. Donc, on ouvre comme ça, ce qui permet d'avoir un réseau de parcours, un réseau, voilà, ça ouvre différentes géographies, et ça recoupe aussi certaines informations si vous avez l'habitude du live, il y a certains trucs qui reviennent très souvent quand on parle des femmes artistes, notamment les écoles dans lesquelles elles ont été formées, surtout en France, puisque surtout à Paris même, parce que il y avait voilà, beaucoup de croisements. Enfin, c'est des choses qu'on vous redit assez souvent quand on lit les pages. Alors, on fait souvent des petits appels sur telle et telle chose. Donc ça, c'est pour ce qu'on fait ce soir, là, pendant 2 heures, et qu'on fait tous les jeudis soirs. Depuis 31 fois, du coup. Depuis 31 épisodes. Et ce qui arrive à peu près au pif à 130, 140 artistes, je pense, au pif. On a fait le calcul il y a une dizaine d'épisodes, donc je pense que on doit être à peu près là. Ouais, et si vous voulez, parce que j'ai fait une tête un peu bizarre, mais c'est parce que j'ai écrit sur mon clavier à la place d'écrire sur mon téléphone. C'est très bizarre, c'est la fatigue, oui, tu vois. Et du coup, il y a Framapod qui est là, qui dépasse d'ailleurs du HTML, je ne sais pas pourquoi, mais ça vous devez voir dans ce magnifique live que ça a été retouché dans notre chat. Mais voilà, donc sur Framapod, vous pouvez vérifier, bien entendu, le nombre de personnes qui ont été mises à jour. Avec, en plus, vous devez connaître, il y a une sorte de petite plateforme qui existe, qui s'appelle YouTube. Cette plateforme permet pour nous en tout cas, de faire des archives. Donc en fait, le truc, c'est que ce que nous on fait aujourd'hui, là par exemple, vous n'allez pas le perdre, vous allez le retrouver, bien entendu, sur YouTube. Donc par exemple, là actuellement, on fait enchaînement tout de suite. Là par exemple, on fait un truc très simple, c'est-à-dire que si Chrome décide de s'afficher, parce que je sais pas, il s'affiche pas, mais oh, monsieur Chrome, nous vous invoquons, j'ai déjà entendu ça aujourd'hui, dans justement le replay, voilà. Je cherchais, c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué de chercher. Du coup, dans le replay, je vais vous montrer du coup YouTube. Le replay de l'épisode 19, parce que c'est l'épisode 19 qui est sorti aujourd'hui, et je vous montre du coup tout ça, et en même temps je vérifie que ma voix est suffisamment haute parce que je ne suis pas trop en direction du micro. Et du coup, vous pouvez voir que nous avons une chaîne très fournie, avec beaucoup d'abonnés en tout cas, donc oui, c'est le 20, je me suis trompé, donc il y a Yaya de Sisyphus dans celui-ci. Ah, qui est tout à gauche sur la miniature. Voilà, donc c'est celui-ci. Il y a du coup le 19, mais bien entendu, vous avez des playlists pour ça. Peut-être pas les vidéos j'aime, hein, vous voyez que j'aime beaucoup le feu. Non, mais du coup, il y a Chronologie des femmes artistes, qui est la première playlist, qui est la série officielle de cette chaîne. Il y a Chipstream aussi, mais bon, Chipstream, c'est surtout des jeux si ça vous intéresse, sinon c'est pas très intéressant. Vous me voyez en train de jouer. Voilà, like and subscribe, comme on dit. Quoi d'autre? Le Twitter. Le Twitter, oui, le Twitter, parce que je vais le mettre un jour en plus. Le Twitter, en effet. Le Twitter permet de suivre toutes les choses, les informations. Mais aussi, bien entendu, les lives de Chronologie des femmes artistes, parce qu'on met directement en lien les sources, comme ça, au moins, c'est fait. C'est ça. Que dire de plus? Vous avez les dons, une possibilité de nous donner de l'argent, du bif, de la moula.
Alors, vas-y, on peut continuer. Hein. Du pèse. De la moulaga. Du pèse, comme dans les années 60. Du pèse, du flouze. Du flouze. voilà, tous les termes que vous connaissez qui sont mon Dieu. Interdits par l'Académie française. Des pépettes. De la pépette. De la pépette. Ah, de la pépette. Je sais pas si on dit de la pépette. Je sais pas. J'ai dit ça, c'est sorti d'un... Trompage d'argot. Et du coup, vous avez ici le uTip qui est Indirect Live, sur le côté. Ce uTip là, bon, c'est surtout pour les frais de connexion. Bon, voilà, on paye de la 4G chaque mois, plus l'augmentation de du mois dernier, parce qu'on a dû récupérer des vidéos, les réuploader. Mmh. Bref, je vous embête pas plus que ça. Je vous remontre du coup, peut-être, t'as fait toutes les notes, c'est bon je crois. Oui, aussi, abonnez-vous bien entendu à la chaîne Twitch, puisque il nous manque 7 followers pour arriver à ce chiffre magnifique des 50, qui nous permettrait de vous concocter des petites emotes, vraiment... On réfléchit depuis le début, en fait, à ça. C'est presque le goal de cette chaîne. Ça a été fait avant même qu'on commence le premier live. En fait. Il y a des trucs un peu bêtes que j'ai déjà tout commencé. Mais en vrai, le truc, c'est que ça vous permettrait de prendre la main sur ça et de pouvoir dire « je veux des chats ». Je veux des icônes de peut-être de femmes artistes qu'on aime bien. Oui, ça pourrait être ça. Avec des super portraits, parce que c'est vrai qu'il y a des super portraits quand même. Bah oui, du coup, il faudrait quand même s'arranger... En tout cas, ça, on peut pas le faire pour l'instant, bien évidemment. Il faut encore un petit peu de soutien. Voilà, donc on compte sur vous pour qu'il y ait plus de fun dans ce stream. Plus de fun, plus d'interaction, plus de gens hein, dans le chat, bien sûr. J'ai enlevé la cam. En fait, quand j'enlève la perso, j'enlève la caméra. Très bien. Voilà, c'était ça que je voulais enlever. Du coup... On peut voir ici à l'horizon, ça s'appelle la frise. La frise, tout à fait. Alors pourquoi elle ne bouge pas la frise? Qu'est-ce qui se passe? La frise à Bugate. Ah ça y est, elle s'est remise? Non. Qu'est-ce qui se passe? Trop bizarre. Alors attendez, je regarde le retour. Très étrange cette histoire de frise. Peut-être que c'est l'aperçu qui nous traduit pas les bons mouvements, je vérifie. Ah non, ça bouge pas. Indeed. Alors attendez. C'est bien cette frise là. C'est la première fois qu'elle nous fait ça. Ouais, ça n'a jamais fait ça. Bon alors attendez, on va faire un truc. Je vais relancer cette frise. Je ne sais pas pourquoi elle a décidé de bugger. Ouais, alors, sachez que ce petit bug peut nous permettre de faire un truc, c'est assez simple. OBS a été mis à jour. Ouais. Coucou petit cancanou. Bonjour petit cancanou. On a un petit bug de frise, petit cancanou. On va commencer d'ici peu, mais j'ai l'impression qu'on a des bugs... Voilà, juste pour le kiff. Le OBS a été mis à jour et du coup ils ont inventé. Alors je vais vous laisser de pas deviner du tout. Ils ont inventé le CTRL-Z. Pour annuler des choses. Annuler des choses. Oh, c'est magnifique. Et ça on peut les applaudir. Franchement, le design de l'objet, qui aurait pensé qu'un raccourci aussi simple aurait pris autant de temps pour arriver. Mais est-ce que le CTRL-Z pour quitter l'application marchait? Non. Non, il n'y avait pas de contrôle quelque chose qui fonctionnait. C'était Alt F4, comme tout le monde. Voilà, le CTRL-Z, c'est la vie. Pour tous les objets de création, c'est la vie. Alors peut-être qu'il va y avoir des petits bugs, puisque nous relançons un logiciel qui prend 15 millions de... 15 millions de poids. Alors je relance. Ah, attention. Ça s'affiche. Mais est-ce que ça bouge? Ça s'affiche pas du tout ce qu'on voit en fait. Mais c'est comme s'il avait un frame enregistré en fait de la ouais, prise. C'est trop bizarre. Si c'était une photo. Ah ça y est. Là c'est synchronisé avec l'écran. Ouais mais plus maintenant. Il faut que tu le resynchronises à chaque fois que tu bouges, non? Alors attendez, parce que je pense que c'est un truc.
bête, 2 minutes. Qu'est-ce qui me fait... C'est, en fait, ça doit être la compatibilité. On découvre des choses, hein, tous les jours, bien sûr, ouais. Toutes les semaines, nous découvrons une dysfonction. Là, c'est bon, je l'ai mis en Windows 10. Oui. Ah. Parce que j'avais changé la compatibilité, parce que OBS ne prenait pas bien l'entrée... Voilà, c'est bon. Alors, on va faire un petit tour. Bon, c'est l'entrée des logiciels payants. Voilà. Donc, comme on... Ah oui, on n'a pas parlé de ça, oui, dans la frise. Vous avez donc tout en haut à gauche, en blanc, les personnalités qui, sur lesquelles on est tombé. Donc, comme je vous ai dit, on ouvre des pages de Wikipédia dans Wikipédia. Donc, c'est des artistes, écrivaines, architectes, actrices, musiciennes, sportives, designeuses, chercheuses, etc., qu'on a mis de côté parce qu'on n'avait pas envie de les l'oublier. Donc elles sont à gauche et à droite vous avez donc en rouge ce qu'on a appelé le manque de ressources, qui sont les artistes dont soit les pages Wikipédia étaient trop lacunaires, soit quand ça arrive qu'on aille aussi, vous verrez, en au-delà de la page Wikipédia quand on a besoin de précision. On va souvent sur un site qui s'appelle Aware, qui est une archive des boulots des femmes artistes. Donc souvent on va vérifier aussi nos double check des infos quand on n'en a pas assez. Et malgré ça, il y en a certaines qui n'ont aucune page nulle part. Donc quand on a un peu l'envie, on cherche plus aussi, hein, ça arrive qu'on passe plus de temps. Mais malgré tout, voilà, il y en a qui n'ont pas, on ne trouve pas les dates de première menstruation, on ne trouve pas leur carrière, enfin il y a juste avec qui elles se sont mariées ou où elles sont nées, donc ça ne nous avance pas à grand chose. Et certaines où il n'y a vraiment pas de page, il n'y a rien, enfin c'est. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé les manques de ressources, qui sont amenés à être réexplorés, soit si. Au moment où vous voyez les noms, vous avez des infos tout de suite, ou si vous voulez aussi rechercher dans le Framapad, et tu m'arrêtes si je me trompe, il y a précisé par épisode les manques de ressources aussi. Donc vous pouvez naviguer et puis dire, voilà, nous indiquer qu'il y a des artistes que vous connaissez ou vous avez plus d'infos. Voilà, donc ça c'est ça. Et la frise, donc elle commence, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'Antiquité. Donc on est en moins 100, c'est ça? Ouais, en fait on commence en moins 100. Désolé, moins 100, hein, 0. Je fais des tests parce que j'ai l'impression que la mise à jour a fait des trucs un peu bizarres. Là, il n'y avait pas les commandes tout de suite d'OBS. Donc moins 100, 0, et on passe ensuite au 14e siècle direct, parce que nous on est comme ça. Voilà, je vous fais un peu rapide hein, le petit chemin, parce qu'on a quand même un super gros, une super grosse prise maintenant, vous allez voir. Surtout en 1800-1900. Bon alors comme on disait déjà, c'est le truc de 1800-1900, c'est aussi qu'il y a beaucoup de traces, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur l'art, il y a beaucoup de gens qui ont participé à l'histoire de l'art, donc il y a du monde. On va en trouver aussi bien avant, hein, bien entendu, vous avez vu qu'on a commencé à moins zéro. On va essayer de faire en sorte qu'on trouve tout le monde, ça va être un peu compliqué, mais de toute façon c'est un peu le stream infini, donc voilà. J'espère juste qu'on va pas avoir des 1905 et 1908. Ouais, ou des 1880 je crois. Et 1880, parce qu'il y a l'air d'avoir déjà du people, et du coup qu'on va devoir déplacer la frise, mais bon. Voilà, déplacer la frise qui, pour le 20e siècle, Elle est divisée en deux parce que on a étendu le plus possible la vision sur la page, mais on peut pas aller plus loin. Oui, donc... c'est ça. En fait, on se retrouve avec maintenant des artistes par an presque au fur et à mesure, et à la fin, en fait, on se retrouve. Voilà, la dernière c'était 1958, et en fait, on se retrouve directement de l'autre côté. Et je crois qu'il y a une grosse marge entre 58 déjà et 60. Et voilà, du coup, 60, 61, 63, 67 et 72, c'est 82 depuis qu'on a augmenté, c'est normal. Voilà. C'est la dernière qu'on a mis sur la frise, c'était cet artiste qui faisait les trous dans le métal, là, ou dans le papier. C'est ça. Donc voilà, c'était... Il y a des choses qui ont évolué au fur et à mesure des discussions, bien sûr. Oui, par exemple le design. Voilà, et...
Non mais voilà, il y a des choses qui évoluent, on évolue avec tout le monde, qui passe dans ce stream aussi. Donc Cancanou, hein, qui est là, allez suivre la chaîne de Petit Cancanou. Et on fait peut-être l'appel tout de suite. Allez suivre aussi demain la chaîne de Histoire Crépu. C'est Petit Cancan. C'est Petit Cancan que j'ai mis. C'est vrai, it's true. Et demain, Histoire Crépu. Qui reçoit Françoise Vergès. C'est bon. Petit Cancanou l'a déjà mis. Ah oui, super. Qui reçoit donc oui Françoise Vergès et qui vont parler donc de féminisme dans une perspective décoloniale puisque c'est l'axe de travail de Françoise Vergès. C'est demain. Voilà, c'est demain. Ça commence à 18h30 jusqu'à 21h30. Alors oui. Oui. Et non. Oui, 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 oui. C'est en live, en direct avec un public, donc du coup il y aura un retour. Alors je ne me rappelle plus exactement si c'est 18h30 pile, mais sans doute. Normalement, l'enregistrement commence à 18h30 et vous pourrez poser vos questions aussi dans le chat. Donc, C'est totalement interactif, tel Twitch le demande, voilà. Et je pense qu'on peut commencer nous. Est-ce que ce serait le bon moment? Allez. Enchaînement. Hop, je vais mettre le Chrome. Donc, il me semble que nous avions trouvé la semaine dernière beaucoup d'artistes irlandaises, again, hein, pour la troisième fois dans cette pérégrination. On retombe sur des boucles d'artistes irlandaises, puisque on a vu la semaine dernière qu'il y avait un gros groupe au sein du RHA, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Royal... History of Art, en prenant film. Oui, c'est une école, en fait, c'est Royal un endroit... Royal Hibernian Academy, ouais. Voilà, c'est une académie où il y a et de la formation et des expositions, et où, a priori, on n'a pas fait plus de recherches pour l'instant, mais on a compris que certaines artistes avaient exposé pendant des années, et donc c'est un endroit... 80 ans, la semaine dernière, on a vu 80 ans. Ouais, c'est un endroit où, en fait, on suppose que on pouvait, les artistes pouvaient déposer aussi des œuvres chaque année pour augmenter en tout cas soit le fond, on ne sait pas s'il y a une collection, mais en tout cas c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans les biographies. Donc on va commencer donc par la première artiste pour ce soir, qui s'appelle May Guinness et qui est donc irlandaise, née en mars 1863. Est morte en 1955, et donc on nous dit que ce serait la première artiste à présenter une sensibilité moderniste dans l'art irlandais. On a beaucoup trouvé cette appellation-là la première artiste qui a manifesté, je sais pas, du postmodernisme, tout ça, tout ça. Après, c'est des choses qui sont à pondérer, parce que des fois, en fait, il y a plusieurs artistes qui sont vus comme la première, donc... voilà, ça peut être la première dans un pays, par exemple. C'est ça. Donc c'est... Mais c'est possible. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'elle a fait. Donc, est-ce que tu peux me baisser la page directement, comme ça? Sa biographie. Ouais. Alors, dans sa biographie, donc aussi, on essaye de vous lire les choses qui sont pertinentes, à savoir que s'il y a une alternance de mariage, divorce, enfant, on essaye de passer assez rapidement, parce que ça dit pas grand-chose de la personne, à part... si la personne avec qui elle était mariée a eu une grosse influence sur son travail, mais souvent c'est juste des détails, donc on passe assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle a été instruite à la maison par des gouvernantes françaises et allemandes. Elle a été à la Mrs. Power School et a fait l'éducation de ses jeunes frères et sœurs à la maison. Cette responsabilité l'a empêchée de pratiquer son art jusqu'à ses 30 ans. On nous dit aussi qu'elle a voyagé avec Mildred Ann Butler en 1894 à New Lynn, en Cornouailles, pour étudier avec Norman Garstin. Donc sa carrière. Alors, on nous dit qu'elle a été membre de la Watercolor Society of Ireland à partir de 1892. Elle a exposé à la Royal Hibernian Academy, dont on vous parlait tout à l'heure, en 1897, et continue à y exposer jusqu'en 1911. Elle a passé du temps à peindre à Florence, de 1902 à 1903, puis à Paris en 1905. Là-bas, elle découvre les débuts des travaux de Henri Matisse et des fauves, donc du mouvement dit fauvisme, fauviste, pardon,
qui ont laissé une impression durable sur Guinness. Des techniques telles que le coup de pinceau libre commencent à apparaître dans ses peintures, y compris donc l'étoile Procession et Jocelyn at Jocelyn et Cathedral at Diest. Elle a étudié avec Kees van Dougen et Hermenegildo Anglada Camarasa entre 1905 et 1922. Est-ce que tu peux me baisser jusqu'à Guinness qui quitte Dublin Alors, elle va quitter Dublin donc en 1915 pour s'enrôler en tant qu'infirmière dans l'armée française. Elle travaille à l'hôpital numéro 12 près du village de Vadelincourt. Donc, elle va consigner toute cette période-là dans un journal. Et en 1917, elle a reçu la Croix de guerre pour sa bravoure lors de la bataille de Verdun. Après la Première Guerre mondiale, elle a également reçu la médaille de la reconnaissance française. Elle passe ses hivers à Paris entre 1922 et 1925. Le travail avec l'artiste... Bon, elle va passer ses... Ok, c'est une traduction dans l'anglais, je pense. Donc elle va passer ses hivers à Paris avec, je suppose, l'artiste cubiste André Lhote, qu'on a déjà croisé dans pas mal de pages. Et grâce à donc son contact avec André Lhote, elle va devenir amie proche de Mayny Gellett et Evie Hone. Alors Mayny Gellett, on l'a vu, je crois, si je dis pas de bêtises, la semaine dernière. Et Evie Hone, je ne sais plus. Est-ce que ça te dit quelque chose, Evie Hone, toi? Evie Hone, non, je ne crois pas. Après, c'est pas... J'avais peut-être cherché la dernière fois, mais on va voir. Je ne sais plus. Parmi ses plus célèbres œuvres de cette époque, on retrouve donc l'œuvre Still Life, qui veut dire nature morte en anglais, qui est conservée à la Hugh Lane Gallery. Elle organise une exposition solo à la galerie Visconti à Paris en janvier 1925. Et donc, dans les années 30, elle revient à un style plus fauviste. Une chronologie de son œuvre est difficile à établir car elle n'a jamais daté ses œuvres. Par conséquent, son travail est divisé en trois périodes, avant 1922, de 1922 à 1925 et après 1925. Cette situation est encore compliquée par le fait qu'elle imite souvent le style d'autres artistes. Mais c'est cette ouverture qui rend son travail unique en Irlande. Elle continue à voyager après ses 70 ans, rencontrant de larges et nouvelles influences artistiques et collectant des peintures modernes, dont celles de Matisse et Pablo Picasso. Elle peint des paysages locaux en Irlande, mais aussi des lieux comme Tolède, la Grèce et la Palestine. Cette large expérience a eu une influence importante sur des jeunes artistes irlandais comme Grace Henry et Mary Swansea. Alors, Mary Swansea, je crois que... C'est possible qu'on l'ait déjà ouvert. Déjà... En tout cas, son nom me dit quelque chose. Je vérifie dans le Framapad, je mets à jour en même temps. Et par contre, Grace Henry, ça me dirait. Attention, trop près du micro. Pardon. Et donc après, sur fin de vie héritage, on nous dit que c'était une personne privée, donc voilà. Désolé, il y a du bruit, Microsoft, là, à cause de mes modifications de son, je vais l'enlever. Donc en fait, je pense que privée, ça veut dire qu'elle était souvent seule, et donc on nous dit qu'elle est devenue de plus en plus solitaire dans ces dernières années. Cependant, sa production artistique semble avoir surmonté cela. Elle a vécu dans la maison familiale de Tibraden après la Première Guerre mondiale, à la suite de la mort de sa mère en 1925. Elle déménage dans une annexe de la maison de Evie Hone à Marley Maison. Voilà, et elle va vivre à Tibraden jusqu'à la fin de sa vie. Et elle meurt à Dublin. Et elle a une exposition l'année suivante, donc en 1956, en sa mémoire, au pavillon Dawson de Dawson Street. Et donc on nous dit enfin que sa collection d'œuvres d'art a été vendue aux enchères après sa mort. Les fonds collectés ont été versés pour la réparation de la toiture de la cathédrale Saint-Patrick de Dublin. Voilà, voilà. Donc on a trouvé sa première date de monstration qui était, je reviens en arrière, 1897, donc quand elle a exposé à la Royal Hibernian Academy. Voilà, voilà. Et donc, on va pouvoir regarder son travail. Donc, il n'y a pas de Wikimedia. Donc, nous allons regarder
Tic. Tic. Je suis tellement lente sur la recherche. On n'est pas tous égaux hein, devant la rapidité de recherche. Tu veux qu'on regarde les photos ? Ouais. J'étais en train d'envoyer Grace Henry qu'on va regarder. Et je vous envoie aussi Evie Hone qui sera pour, je pense, la semaine prochaine. Mais Evie Hone, on l'a pas déjà faite du coup ? Je ne l'ai pas trouvée dans mes notes, mais si tu veux, je vais revérifier. Hone. Non. Ah ouais, ça me dit quelque chose pourtant. Bah, peut-être qu'on l'a déjà ouvert, mais c'est juste qu'il faut vérifier les onglets. Moi, je vérifie directement dans le Framapad, parce que maintenant je mets à jour. Oui, non, mais c'est mieux. Je vous mets ça, oui, ça page Wikipédia quand même. Voilà. Donc du coup, son travail, donc on nous a parlé d'inspiration fauviste, mais qu'a priori, elle copiait pas mal de travaux d'artistes. Donc, par exemple, sur le style fauviste, là, celle qui est tout en bas, enfin celle-là, me semble être la plus proche de ce qu'on peut appeler le style fauviste. Ouais, après, il y a un peu de début du cubisme aussi dans le fauvisme. Hein, donc du coup, on peut retrouver des trucs hein, qui sont un peu... En fait, la différence avec le cubisme, c'est moins clair, quoi. C'est moins à plat, et ça, vous pouvez le remarquer assez facilement. Ça se voit que c'est du tâtonnement du cubisme aussi, le fauvisme. Donc, regardez bien si vous tombez sur des œuvres. J'ai cliqué sur un lien, j'aurais pas dû. Par exemple, ça, c'est clairement du commencer à du tâtonnement. En fait, on commence à perdre dans le fauvisme, on perd énormément le. Comment ça s'appelle, la matérialité des choses, parce que tout commence à devenir un peu flou et un peu à plat. Et après, sur le cubisme, c'est totalement abstrait. Donc là, on peut voir justement la suite. Ah oui. Et totalement plat. Mais le fauvisme, ça ressemble beaucoup à ça aussi. J'ai un rappel de mémoire. La semaine dernière, on a trouvé une page entière sur les artistes irlandaises, c'est ça ? Alors, rappelle-toi que quand je mets dans les onglets, je mets tout ce qu'on trouve vers la fin. Là, on est sur le haut du panier, en fait, du truc. Non, mais du coup, il y a des œuvres, il y a des photos de la bière Guinness, oui, évidemment. Bah, sponso, hein. Alors, c'est marrant parce qu'il y avait... Je vais enlever peut-être la bière. Ils nous ont parlé de qu'elle faisait beaucoup de paysages, mais... Ah, mais c'est pas du tout ça, j'ai fait moins. Mais en fait, il n'y a pas tant de paysages que ça. Là, on voit surtout des natures mortes et des portraits, en fait. Ah si, peut-être celui... C'est marrant, ça fait beaucoup cartes aussi. Ouais. Tu vois, la disposition des mains, tout ça. C'est celui-ci que tu parlais ? Non, c'était celui-là, plutôt, qui ressemble plutôt à un paysage, mais je vois pas trop... Enfin, c'est pas prédominant, quoi, dans son travail. Non. Ça doit être les natures mortes. On nous a dit que Still Life, c'était son œuvre la plus connue, mais en même temps, Still Life, ça peut être le nom d'une série aussi. Oui, c'est sans doute le cas, en plus, parce que c'est l'époque où on commence à faire les séries. Donc, juste, je sais pas si on a déjà précisé, je sais pas non plus si c'est très important, mais dans l'art, une série, c'est plusieurs peintures qui sont rattachées soit à un même thème, soit à une période historique, soit à on peut le dire aussi a posteriori, des séries qui sont d'un certain moment avec certaines expérimentations. Mais quand on parle de séries, c'est pas des séries comme il y a par exemple dans les objets, dans le design, etc., où ça va être des choses identiques qui sont reproduites, c'est vraiment Alors, identique. Oui, non, mais quand on dit une série. Ça dépend de quel est l'outil utilisé, mais c'est jamais vraiment identique, même dans le design. Oui, mais par exemple, si tu dis j'ai fait tirer la chaise machin en série, souvent elle est. Non, mais enfin, je vois, ça dépend quelle chaise et quelle technique en fait tu utilises. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Après, le principe des séries, c'est. En fait, maintenant on le comprend comme quelque chose qui est de la même idée. Même famille, en fait, ça fait famille. Des familles de thèmes ou de choses comme ça. En fait, il faut le comprendre là, du côté de l'art, je pense, dans le même rapport conceptuel. Et avec des techniques qui sont proches. Mm. Dans le design, c'est conceptuel, mais avec des techniques qui peuvent être différentes. Pour par exemple, quelque chose qui est très connu
dans le commun, enfin qu'on... Ah, je dis des bêtises en même temps. Donc, dont on parle souvent, par exemple, si on se réfère à Pablo Picasso, on dit souvent il a eu sa période bleue, sa période rose, et ça, c'est pas, je pense que c'est pas lui qui avait déterminé que c'était une série, c'est juste qu'à posteriori, il y a une période entière où il peint d'une certaine manière, ouais. Et donc on va dire voilà, que c'est une sorte de série. Je pense qu'une des plus connues, c'est peut-être, ouais, comme tu disais, pour Picasso, il y a la Klein qui est très connue sur ça, ouais. Aussi, quand tu parlais de période bleue, moi je pense plus à Klein, mais c'est ça. Oui, oui. Sinon, il y a aussi les Van Gogh aussi, avec ses passages tournesol en fait. On considère que c'est une série, alors qu'en fait c'est spécifiquement à des moments différents où il retombe toujours un peu sur les tournesols. Quoi. Mais ouais. Par exemple, là sur les parcours des femmes artistes, on est très peu tombé sur, même dans les descriptions très fournies, sur cette notion-là de période quelque chose. Enfin, on nous a parlé des fois d'influence où il y avait un moment du cubisme, un moment ça, mais c'était jamais aussi formalisé que sur les grands peintres de l'histoire de l'art où on parle comme ça de séries, de trucs. Je vais regarder vite fait sur Aware, parce qu'en général, Aware propose des images différentes. Elle n'est pas sur Aware. Bon, bah, faut qu'on envoie toute notre liste à Aware. Pardon. Ok. Je vais tiger. Du coup, 1897. Ouais, 1897. Ok, j'enlève cet onglet. Ne pas oublier d'enlever les onglets, ah ouais, non, pour ne pas les rouvrir 25 fois. La mise à jour Chrome sur l'utilisation des onglets, je trouve ça très compliqué. Hein. Je suis désolé, mais faut cliquer 15 fois, là, ça me fatigue. Hop. 1897. Zoom. Alors, du coup, vu que j'ai commencé à utiliser VoiceMeter, le futur, c'est de mélanger ça avec Jingle Palette, qui permettrait de mettre des bruits que j'aurais fait à la bouche ou que Nibbler aurait fait à la bouche. Genre, les trucs du « que je fais quand je zoome dans la frise, ce genre de trucs. Ah ouais. Les trucs nuls, mais qui font la marque de ce stream. Non, mais il faudrait qu'on fasse un topo sur l'environnement sonore, parce que je suis nul en son. Autre que de prendre des trucs qui me font rire et du coup voilà genre si tu me dis le ladier je comprends pas. Il y aura pas la place hein, je le sens ça assume la loose. Ah non ça va. Non ça va. Ça va ça va. Elle a pas trois prénoms donc. Hop on zoom. Ça ne marche pas. Pourquoi ça l'a mis décalé 1897? Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, ça a tout aligné, mais pas dans le cadre. Trop bizarre. Il y a un espace, c'est pour ça. Il y a 15 millions d'espaces. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Voilà. Ah, voilà. C'est mieux. C'est mieux. Je sauvegarde, hein, au cas où le stream décide de mourir. Ça peut aider. Et voilà, tu viens de te placer dans cette magnifique frise, mais Guinness. Alors, on continue, on enchaîne direct parce qu'on a pris un peu de temps sur le récap en plus. Dorothy Kay, alors c'est une dame qu'on a retrouvée assez souvent, je crois, donc je vais vérifier aussi le frama. Ouais. Et elle n'est pas là, donc c'est très bien. Je vérifie avec le H parce que c'est peut-être mieux. Oui. Et pas. Ah, je crois que Dorothy Mosquée, c'était la sœur d'une des artistes, Elvery, tu vois, née Elvery. Ouais. C'est parce qu'on a... Oui, je sais pas ça, c'était qui, regarde avec Elvery. Elvery, ouais, je m'en rappelle aussi. Attends, ouais. Là, tu cherches dans le mauvais. Excusez-moi, je suis dans le mauvais endroit. Je me déplace. Et elle... Je regarde, quel écran? Béatrice Moss-Elvery, voilà. Épisode 28. Alors, ça fait deux femmes qu'on trouve qui étaient aussi... Dans l'épisode 28, on a eu la liaison avec Mary Swansea aussi juste avant, qui était donc du coup dans l'épisode 28. Ouais, donc du coup c'est la Dorothy Kay, donc qui est née Dorothy Elvery, et donc la sœur. Non, il n'y a pas de français. Non, mais ça va aller. Alors donc elle est née en 1886 et elle est morte en 1964, et donc c'est une artiste qui est née en Irlande et qui a vécu ensuite en Afrique du Sud. Donc on va découvrir ça. Alors, donc, on a dit, elle est née en 86 à Greystone, dans le County Wicklow, en Irlande. Bon, après, on nous dit un truc sur son père. Sa sœur, donc Béatrice Elvery,
qui était aussi connue comme Lady Glenavie, et donc qui est la fille qu'on vient de dire, Béatrice Alvéry, hein, que je... Oui. Donc sa sœur était peintre, artiste de peinture, de vitraux, pardon, stained glass, donc de vitraux, et sculptrice. C'est bon, tu te rappelles ? Ouais, c'est dur. Ouah, c'est bien. Donc Elvery donc a suivi des cours à la Dublin Metropolitan School of Art en 1900 et à la Royal Hibernian Academy again, mais elle a fait la promotion de la notion de d'autodidacte, self-taught, enfin oui, du fait qu'elle s'est appris toute seule quoi. En 1910, elle va déménager en Afrique du Sud et se marier à Hobart Kay. Alors après, il y a un truc qui s'appelle FRCS en bleu, là, je sais pas c'est ce qu'on sait. Fellowship of the Royal College of Surgeons. Voilà, alors, dans les pages des artistes irlandaises, il y a toujours des trucs comme ça bizarres, genre FRCS. C'est pour ça que RHA, au début, ça nous avait paru bizarre, parce que c'était carrément à côté du nom de l'artiste, et du coup, on trouvait ça étrange. Donc bref, elle s'est mariée donc avec lui en 1916 et ils ont emménagé à Port-Elizabeth. Donc sa carrière artistique. Alors, on nous dit donc que Kay a été une des membres fondateurs, de la Eastern Province Society of Art and Crafts. En 1924, elle a été élue comme membre de la Royal British Colonial Society of Artists. Elle va peindre et faire de la gravure et chings. Mon dieu, c'est ça, hein? On l'a vu 10 fois, à chaque fois je sais jamais. Et chings, je crois que c'est un type de gravure où on creuse, non? On creuse. La gravure, on creuse tout oui, le temps. Parce qu'il y a... C'est... Non, il y a de la gravure où ça ronge et de la gravure... C'est l'eau où... forte. Voilà, bon. Donc elle a c'est peint... C'est la gravure à taille douce, tu vois, c'est que, ce que je te disais, tu creuses pas des masses, au final. Eau forte, du coup. Ouais. Donc elle a fait de la peinture et de l'eau forte, et en 1926, son eau forte, qui s'appelait Romance, a été achetée par Queen Mary. La reine Marie. Non, Queen Mary comme un bateau, hein, le Queen Mary, bah, bien ça sûr. Ça vient du bateau. Enfin, ça vient du bateau. Il y a une meuf, elle s'appelait le nom d'un bateau, en fait. Voilà, c'est ça. Le Queen Mary. Qui existe toujours, je crois, d'ailleurs. Ouais. Donc, ça a été acheté par la reine Marie à la Dominion Artist Exhibition de Londres. Elle a voyagé largement en Afrique du Sud et elle a fait des... Elle a fait des croquis. Elle a fait des croquis pendant ce voyage. Et elle a, on lui a aussi commandé beaucoup de portraits de Mayors, c'est quoi, des majeurs, Mayors. Mères. Des mères, ah bien sûr, de mères de Port-Elizabeth. Et on nous dit aussi que beaucoup d'entre eux, donc de ces tableaux, ont été perdus quand le City Hall a brûlé en 1977. Le City Hall, c'était 2000 ans. Ouais, mais moi je connais pas les bails. Donc quand voilà, en gros, elle a fait beaucoup de portraits de mères et malheureusement la mairie en brûlé en 1977, ils ont tout dû perdre. Voilà. Alors. Et je suppose que du coup c'est 77, c'est pas encore fini l'apartheid en Sud-Afrique. Alors ça, je pourrais pas te dire. Ah bah si, ça a duré très très longtemps. D'accord. Bon bah voilà. En même temps, ils nous ont dit qu'elle a été membre du Royal British Colonial Society of Artists. Bon. Oui, d'ailleurs, j'ai dit apartheid tout à l'heure, je crois que c'était ségrégation pour l'Amérique. Je me suis trompé ah de oui. terme. Alors, on nous dit, durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement lui a commandé un enregistrement, enfin de documenter la guerre sur le... On the home front, sur le front de l'armateur. Fatigué là. On the home front, c'est home quoi front, c'est le front. Le front de guerre, quoi. Le front de guerre, le... ouais. Voilà. Et d'autres travaux qui sont gardés à la South African National War Museum. Mm-hmm. De 1927 à 1945, elle va produire 2 des 4 illustrations. Chaque semaine pour le Outspan, donc je suppose être un journal. Ces grandes peintures étaient
sa grande peinture de 1937, c'est appelé Surgery, et ça montrait un patient en train de se faire une chirurgie abdominale qui s'appelle une cholecystectomie. On va vérifier, je vais vérifier d'abord juste vite fait les œuvres qu'on va vous montrer. Vas-y, regarde de ton côté. Alors, on nous dit aussi que donc Kay a fait aussi des portraits d'elle-même, comme alors scrub nurse, c'est quoi le scrub? Tu sais toi? Nurse, c'est nurse, mais scrub, c'est un truc de gratter, scrub, non? Scrub, de gratteuse. Perioperative nursing. Comment ils disent? Attends, je vais essayer. Patient who having operative post le post opération. C'est une manière de. C'est une spécialité. Ah, c'est. Ah, oulala. Péri-opérative, en fait, c'est une manière. D'après ce que je comprends, c'est une manière de travailler avec les patients pendant l'opération ou pendant n'importe quelle procédure invasive. Donc, c'est des péri-opérative nurses. C'est donc des elle travaille au bloc, en fait. C'est les infirmières du bloc. C'est les infirmières du bloc, ouais. Ok. Voilà. Bon, on va dire ça. On va dire que. Infirmier périopératoire, c'est ça. Périopératoire. Donc, elle s'est elle a fait ses portraits d'elle en tant que nurse périopératoire. Et aussi, et ça représente aussi donc, son mari Hobart en tant que comme chirurgien. Quand elle était en train de préparer cette peinture, elle a visité 3 hôpitaux et elle a observé au moins 2 opérations dont elle a fait 27 pages de croquis préliminaires de gens, enfin des personnes et des équipements qui étaient utilisés dans, dans ce type de chirurgie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va peindre aussi des peintures médicales, donc Operation in a Base Hospital et Blood to Save Lives. Je pense que sa peinture, elle va être... Ça va. Ça va ? Pourtant... En fait, on a beaucoup de croquis et je l'ai mis en safe charge, donc ça doit... D'accord. Aller. Parce que le Operation in a Base Hospital pendant la Seconde Guerre mondiale, ça doit être sympa, quoi. Voilà. Et donc elle a organisé des expositions, des One Woman Exhibition, donc c'est comme un One Man Show, mais avec une One Woman Exhibition. Donc, c'est des solo shows, quoi. Ouais, c'est ça, mais de elle, de femme, une solo show de femme, entre 1922 et 1955, de 1922 à 1955, pardon. Et des expositions rétrospectives de son travail ont eu lieu à la South African National Gallery en 1965 et en 1982. Par rapport à sa vie personnelle, est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes? Elle a une fille à qui elle a enseigné la peinture. Et daughter, c'est bien la fille, hein, d'accord? Oui. Ok, donc sa fille, Marjorie Reynolds, elle a écrit et publié une biographie de sa mère en 1989. Ok. Et elle a donné aussi des œuvres et des archives de sa mère à la Iziko South African National Gallery. Voilà. Et donc, elle est morte en 1964. Donc, après, on nous dit donc plus de lectures. Ok. Après, il a dit que sa fille, la Joanne Wright, 1911-1991, à qui elle a appris la peinture, enseigne la peinture, pardon, d'ailleurs. Donc peut-être que sa fille, là, Joanne Wright, c'est peut-être aussi une peintre. Mais après 1911-1991, ouais, elle va forcément rentrer. Si elle est peintre avant 91, oui, ça rentre. Piu. Donc, je sais plus c'est quoi la date de sa première exposition, mais... Bon, on va regarder. Il n'y a pas grand-chose, de toute façon. 1924, elle peint... 1926... Bah, 1926, il y a la peinture qui est achetée par la reine Marie. Bah, ça marche, c'est quand même la reine. Surtout qu'elle l'a achetée à la Dominion Artist Exhibition à Londres, donc je pense que c'était dans une expo. Donc ouais, on peut mettre 1926.
Croquer la cour, 1926. Et du coup, t'as pas regardé quand si, si. Sans les safe search? Ah bah non, j'ai vu. Hein, sur les... bah, et après, il n'y avait pas grand-chose non plus sur le côté hardcore de ces peintures. Enfin, j'ai pas vu grand-chose. Tu veux savoir plutôt. Y a rien qui est... En 1900, y a plus rien qui est droit. Bah non. Non mais... Hein. Que fais-tu? Reste ici, Lenska. J'essayais juste de replacer parce que je sais que... Voilà. Alors, du coup, Dorothy Kerr. Tu fais plus de copier-coller? Non, là, aujourd'hui, j'ai la flemme. C'est trop fatigant. Il fait chaud. Ok. Non, mais ça nécessite beaucoup trop de... D'aller-retour. Oula, j'ai fait n'importe quoi encore, j'ai oublié non, de prendre bon. Ça. Ah. Ouais. Oh attention, déjà qu'il y a des trucs qui sont pas droits au niveau de de l'horizontalité, là. Alors si on commence à être en problématique au niveau de la verticalité, c'est compliqué. Allez, on revient. Alors, Dorothy, livre-nous les secrets de ta peinture. Ah oui, il faut que je vous envoie sur les trucs. Donc, alors, attendez, je vérifie juste vite fait que je fais pas de bêtises. Voilà. Donc, son portrait, j'imagine. Ouais, sûrement. Parce que c'est peut-être en plus. Belle tête d'Irlandaise. Une belle tête d'Irlandaise. Ouais, c'était elle, ouais, effectivement. Alors, petite photo, hein. Petit croquis. Du colonialisme. Petit croquis du colonialisme. En même temps, elle habitait en Afrique du Sud, donc. En tant qu'anglaise. Oui. Voilà. Ça c'est l'eau forte, ça, je pense. Mm. On voit bien, là, on voit bien. Façon de parler, vu que c'est. On voit bien en petit. Là aussi, ça doit être l'eau forte, hein, parce que ça fait un peu gratter et tout, c'est ça. Mm. Bon, ça n'a rien à voir. Ah, donc, ah ça, bah, on voilà. On est en safe search. Donc voilà. On est en safe search, hein. Donc non, c'est Twitch friendly. En fait, ouais, quand t'étais sur le truc, il y en avait plein sur le côté. Oui, j'ai vu. Mm. Mais ça reste safe. Bah, ça c'est pareil, ça doit être un hôpital de guerre, ça, je pense. Blood to save life, ah bah c'est ça. C'est le celui sur. C'est le transfert de sang. Mm. Mais on voit rien en grand, hein. Ça me trigger de ouf. Excusez-moi. Hein. Du coup, il n'y a rien en grandes images. Mm. Donc là, il y a. Ouais, le croquis de... Bah en fait, il disait qu'elle avait croquis fait plein de croquis. Ou forte, là, du coup, ouais. Plein de dessins préparatoires, donc peut-être c'était un des dessins là, préparatoires. Là, il y a des petites peintures. Là, il y a Cruella d'Enfer, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, petit cancanou, tu vas voir Cruella d'Enfer ou pas, hein, le film? Cruella d'Enfer. Ouais. Attends, tu l'as pas vu? Je peux pas mettre la vidéo maintenant. Dommage. On le mettra à la fin. Je vous montrerai. On fera une aparté. Petite maman, c'est quoi petite maman? Ouais. Bon, c'était pas intéressant. Chose. Mais après, dans les peintures de guerre, là, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs, mais le nouveau Sciamma. Ah oui, bah c'est nécessaire, hein, c'est quand même une très bonne réalisatrice. Très très bonne réalisatrice. Bon, c'est bon, Dorothy Kerr, c'est bon. On peut l'enlever. Tu l'as enlevé de... Ouais. Je l'enlève actuellement, tout de suite. Tribing. Alors... Ah, bah tiens, c'est en finlandais. Oh bah écoute, je vais bien réussir à lire, là. Bah on le met en traduction, mais il n'y a rien en même temps sur la page. Je le vois déjà, il y a work, voilà. Il n'y a rien. Alors du coup, tu veux qu'on essaye un peu de trouver comme ça ou d'abord ouais. Tu lis et après on essaye de voir si on trouve ailleurs peut-être. Mm. Alors, on nous dit quoi 1869, donc elle est née à Kirkkunummi, Uusimaa, et elle est morte en 1942 à Helsinki. Et elle est professeure de dessin, finno-suédoise, artiste, écrivain, veine et auteur. Suédois, on se compte tout le temps. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai dit finlandais. Oui, c'est parce qu'il y avait écrit finno-suédoise. C'est pour ça, je pense. Ah oui, d'accord, c'est bon.
Alors, elle a travaillé comme professeure de dessin au lycée suédois pour filles à Helsinki. Elle a écrit des poèmes et de la prose et les a illustrés elle-même. Sa compagne était Karoliina Eskelin, qui est la première doctorante finlandaise en médecine et chirurgie. Ensuite, on nous dit le nom de ses travaux. On a les dates de travaux déjà, hein. Ouais, mais on n'a pas... Bon, on va regarder un peu plus, mais là, les dates de travaux, c'est déjà pas mal. C'est des publications. Mm. Donc 1910, c'est le minimum qu'on a, j'ai l'impression. Ouais, donc là, pour l'instant, on peut garder 1910. On va continuer à chercher. Hop. On va direct chez Schauer pour voir. Ouais, enfin, vu sa... la densité de sa... Oh là là, mais toi, t'as pas confiance. C'est pas parce que dans Wikipédia, c'est... y a rien, que chez Schauer, y a rien. Faut croiser les doigts. Pourquoi ça rame? Y'a encore le problème de Orange, là? Non, ok. Alors, traduisons autre chose. Ah, mais non, mais tu n'as pas Instagram. Ça, par contre, ça, c'est sûr. People Peel, c'est quoi ça? Pinterest. Record Shop. Pinterest. On va enlever Pinterest, hein, mais ça commence à me saouler ça. Pinterest a vraiment tué toutes les recherches possibles et inimaginables. Hein. C'est incroyable cette histoire. Ouais, c'est page bizarre. C'est pas ouf non plus, j'ai l'impression. Ouais, y'a pas grand chose. Moi, je suis pour qu'on la mette dans manque de ressources. Hein, parce que... Attends, je regarde People Peel, parce que ça se trouve, c'est bien People Peel. Littérature, Finlande, 5. Ouais. Bah, c'est ce qu'il y a sur la page Wikipédia en fait. Exact. Et du coup, on n'a pas regardé, mais s'il y avait des Wikisources, des Wikicodes, des trucs comme ça. Y'a rien du tout. Mais pourquoi t'es. Je regarde en Suomi, si c'est possible. Non, y'a rien. T'es comme ça là. T'es down. Je mets en manque de ressources, ça marche. Alors dans le fond de la page, tu s'est mis à jour. Voilà. Du coup, ce sera pas sur Twitter. Hein. Je vous rappelle que ça se retrouve pas sur Twitter. Donc j'enlève. Oui. Non, il est... Hop. Je crois que là, c'est une autre page aussi en... Ah non. Je crois qu'on en avait ouvert plein en finlandais. Pourquoi c'est une photo? Ah non. Alors... Ah, 1682. Ah oui, on est plus loin, là. Margareta Capsia. Alors, elle est née en 1682, morte en 1759. Donc, c'était une artiste... suédoise finlandaise, donc finno-suédoise ou suédo-finlandaise, je sais pas comment on dit. Et c'est la première femme artiste professionnelle native de Finlande, qui a donc pendant sa vie, elle a été une partie en Suède pendant sa vie, et elle a peint majoritairement... Qu'est-ce que c'est, altar pieces? Des pièces alternatives. Des pièces. C'est un style de peinture, je pense, parce qu'il a écrit also active as. Retable. Ah oui, on l'a déjà vu. Oh, aussi. Des retables. C'est des plusieurs ensembles de. D'accord. Altar pieces, des retables. Ok. Donc elle a peint majoritairement des retables, mais elle a aussi été active en tant que peintre de portraitiste. Alors, donc, elle est donc née en Suède. Elle s'est mariée à un prêtre qui s'appelle Jacob Gavilan à Stockholm en 1619. Après la Grande Guerre du Nord, Northern Guerre, je sais même pas ce que c'est la Great Northern War, on connaît pas bien hein, l'histoire. Un conflit. Ah oui, d'accord. D'une coalition qui a été menée par le tsar de Russie contre l'Empire suédois. Tu savais ça? La Grande Guerre du Nord. Le rapport des... Alors oui, il y en a eu. Il y en a eu plein. Et le truc, c'est qu'on n'a pas suffisamment ça parce qu'on est un peu focalisé sur... Oui.
la France, le récit national. Française, t'as vu. Donc après donc la Grande Guerre du Nord en 1721, elle va déménager à Vaasa, où donc Margareta va devenir connue pour ses retables, donc ses pièces peintes de retables qui sont à Osternbotten. En 1730, elle va à nouveau déménager à Abo, où elle va devenir une artiste reconnue à travers toute la Finlande et où elle va sûrement mourir, probablement mourir. Ces retables sont décrits comme des illustrations individuelles de la Bible et elle a été donc perçue comme une des meilleures peintres dans ce genre avec donc le peintre Michael Topelius. Et donc elle va peindre aussi, donc elle va peindre le retable de plusieurs églises, comme l'église de Paltamo en 1727 et celle de Sakila en 1739. Voilà. Donc il y a une ressource apparemment de webarchive.org là. Ça veut dire que c'est un site mort. Tu crois ? Oui, bah webarchive c'est ça, hein. C'est l'archive du web. L'archive du web. Du coup, il y a d'autres femmes artistes. Est-ce qu'on peut traduire ? Alors, c'est une bonne question si on peut traduire webarchive. Le Salon d'Art des Dames présente plus de 10 femmes artistes. Parmi celles-ci, on trouve Margareta Capsia, Elena Arnel, Lovisa Charlotta Machin, qui travaillait en Finlande. Les plus célèbres des artistes étrangers sont Elisabeth Vigée-Lebrun, ouais, qui fut peintre à la cour de Marie-Antoinette, et Angelica Kaufmann, qui captiva toute l'Europe. Eh bien, c'est ça bien. Ça fait beaucoup de noms, donc je vais tous les prendre. Allez. Alors, je les mets de côté, hein. je vous fais pas la vénéritude de prendre tout. Ok, oui, donc là après il y a des peintures qu'elles ont faites. Donc Margareta Capsa, là il y a la toile à droite là avec cette dame qui a une sorte de postiche. Oui, donc. Rien. Il y a pas la date, c'est ça en fait la question que tu cherches. Non, mais on sait, elle a fait l'église, le retable de l'église. Bah voilà, alors du coup c'est bon. On va regarder ses autres œuvres si tu veux, mais parce que là on voyait pas de près. Mais d'abord, normalement on met dans la chronologie. Donc c'est comme tu veux. Non mais remets sur la page pour qu'on regarde, mais elle va déménager machin. Bah, regarde, il y a marqué qu'après la grande guerre de 1721, elle déménage à Vaasa où elle devient connue pour ses retables peints à Osterboden. Donc c'est après 1721, c'est entre 1721 et 1730. Oui, mais du coup c'est pas précis. Ce n'est pas précis, mais... Non, pour regarder sur Ouais, peut-être que le retable de Osterboden, on peut trouver à quel moment il a été fait, mais... Bon, il y a trois pages Wikipédia, hein. Il y en a une anglaise qu'on avait ouverte. Là, il y a l'air d'avoir la même chose. Et ça, c'est en français. Et il n'y a pas l'air d'avoir plus. Ok. Sinon, il y a Nina H, je sais pas ce que c'est. Google Art and Culture, on avait trouvé des trucs pas mal sur Google Art and Culture la dernière fois. Ouais, mais là, il y a écrit comme la page Wikipédia. Est-ce que si tu mets retable de Östergnönge, on trouve ? Attends, je regarde vite fait. Retable ? Tu veux que je cherche le nom ? En fait, ouais, il y a écrit Osterbotten. C'est ici ? Ouais, donc tu mets son nom avec ça, peut-être on va trouver une date. C'est grand, hein, c'est l'air d'être un conglomérat de trucs, non ? Ça, déjà par exemple Wikipédia qui nous donne un retable direct alors qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Si, c'était sur une des pages 1725 qui a écrit Margareta machin pour Pedersora Kikra, l'église de Pedersora. Bah voilà, 1725. Ok, bah on prend ça.
Et ça, c'était la SV, je suppose que c'est suédois. Svidish. Michel 125. Ouais. Ah, on a dépassé. Ah ouais, ne t'envole pas trop. Hein. Oui. Eh bah oui, bah Elisabeth Gillebrun, voilà. Oui. Y'a personne, trop bien. Oui. Bah je pense que toutes les artistes par contre que t'as trouvé, qu'on a trouvé sur cette page sont dans cette période là par contre. Je pense aussi. Mais je vais les noter pour plus tard. Pourquoi tu rigoles? Non, oui, je sais. Comme si c'était moi qui repoussais le. Absolument la pas, fin, c'était un rire qui n'avait rien de sensé. D'accord. Voilà. Des fois, il y a des rires, ça. C'est jamais. Ouais. Pourquoi ça prend tout en même temps là, je comprends pas. Quel est ton problème ? Comme d'habitude. Moi, je propose qu'on transforme un live un jour en karaoké. Ça n'a rien à voir avec Chronologie des femmes artistes. Waouh. Si, on chantera des chansons de femmes. Oui, mais on va sur strike par des Twitch d'hommes. Mais non, parce qu'on mettra pas la musique, on chantera juste des paroles. Et le but, c'est qu'on chantera et il faudra être dans le chat que les gens ils découvrent c'est quoi la chanson qu'on chante. N'oubliez pas les paroles. Ok, super. Tout qui y a. Vous connaissez pas le principe du. Le principe on devra deviner. Il n'y a que moi qui supporte le Lofi là en ce moment, j'ai l'impression. Je vois que là, on est en train de je suis actuellement en train de mourir de la tête. Hein. Voilà, donc du coup, j'enlève Margarita Caspia de Google Chrome. Je vous remets Google Chrome d'abord. Ah, bah elle est plus fournie en fait cette page là. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure. Voilà, donc c'est l'œuvre. Oui, c'était l'autre là. L'œuvre qu'on a notée comme. Enfin, comme la première date, c'est donc. Enfin, sur la page Wikipédia, on dit que c'est sa première œuvre connue. Celle-là. Là. Bon, regardez si on a d'autres. Mais c'est c'est la scène. Bah c'est toujours la même chose, oui. Tu sais, t'avais pas trop d'idées, tu pouvais... Mais la scène, elle est pas en rond, hein. C'est une seule grande table de face, hein. Toi, t'as pas compris que la table ronde, c'était une re-imagination de la scène. Ouais, improbable d'ailleurs, sur une table tout droit, franchement, qui fait ça? Qui fait ça? Bah, disons qu'il y a beaucoup de tables qui sont droites, en fait, à la base. Oui, mais c'est plus logique d'être... plusieurs à hein, des endroits différents d'une table plutôt que tous à une seule place en mode frontal. Oui, mais ça c'est la vue que t'as d'une peinture d'un vieux mec de l'Antiquité. Mais alors où est Judas? Bah, Judas il est toujours au même endroit, il est là. Hein. Tu penses? Bah oui, il est toujours au même endroit, il est à la gauche, c'est l'endroit de la trahison. Tintintin. C'est pour ça que d'ailleurs la droite aime pas du tout la gauche. Hein. Parce qu'ils ont l'impression que c'est la trahison. Quelle dérive. Non, mais il y a beaucoup de ça, hein. Il y a beaucoup de ça. Donc du coup, petit cancanou, t'es motivé pour deviner. Bon, c'est moi qui chanterai, hein, parce que... Et vous devriez deviner. Voilà. Je promeux... Non, mais là, tu es en train de faire un truc... Un contre-live. ça s'appelle un carjacking de live. On est en train de parler des chronologies des femmes artistes. Toi, tu veux nous faire du karaoké, et même pas sur Blackpink en plus. Je suis choqué. Bah si, je pourrais chanter Blackpink si tu veux, mais il faudra que les gens y devinent. Et il faut que j'arrive à chanter en coréen, ça va être chaud. Hein. Non, mais ça va, tu dis I'm going solo, c'est bien aussi. Ah, mais c'est pas que Blackpink du coup. Non, là, c'est Jennie de Blackpink. Y'a que toi qui vas trouver. Non. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Y'a plein de gens hein, qui sont fans de Blackpink. Hein. Le push de la chaîne. Du coup, on voit. En fait, dans son travail, on a juste rien en fait. Mais pourquoi tu dis ça? Je suis en train de montrer des œuvres depuis tout à l'heure. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas grand chose. Là, on nous revient sur Mathilda Rotrich. Oui, non, mais là, spécifiquement, mais là, on est sur des gens qui. C'est elle qui l'a fait. Ah, pardon. Je comprends pas.
Restez concentrée, madame, parce que là, vous êtes en train d'essayer de faire du karaoké, mais... Tiens, regarde, ce magnifique retable. De une face. Est-ce que les retables, ça a toujours cette forme? Ok, donc on va faire une digression encore. Retable. Ça peut pas être juste un bloc. Non, mais bloc, voilà, comme ça. On va te compliquer. Il y a des arches, déjà. Ah oui, d'accord. En général, il y a plusieurs, tu vois. Parce que tu peux avoir des parties différentes. Oui, c'est ça, un retable. Ouais, ok. Ouais. Un retable, c'est du bois. Ouais. Comme disent, est une construction verticale et qui porte des décors sculptés parfois peints en arrière-plan de la table de l'hôtel, d'un édifice religieux. Voilà. Et le même que celui du mot voilà, espagnol, aussi, c'est italien, ouais, c'est bien, super. D'accord. Et du coup, voilà, retable, ça ressemble à ça. C'est compliqué là, quand même. Mais c'est rien de compliqué, c'est juste que toi, tu poses des questions alors qu'en fait, c'est, on l'a vu. Non, je trouve que c'est compliqué là, c'est, comme structure exemple, là, de peinture. Tu là, vois. C'est un retable, et il y a combien de parties? 4. Oui, et donc du coup, même je te dirais que... 5, peut-être. Avec... Ouais. Et les retables, en général, ont tendance à s'ouvrir. Oui, tout à fait. Voilà, bah oui. Donc du coup, c'est des objets aussi, avant tout. Et voilà, par exemple, là, c'est jamais des triptyques, hein, d'ailleurs, parce qu'on appelle ça des triptyques quand il y en a 3. En général, c'est les triptyques, c'est justement Jésus, sa mère et son père, hein, qui est aux cieux. Ça, c'est carrément un mélange sculpture et peinture. Là. Oui, oui. Mmh. Mais il y en a beaucoup. Hein. Ok, ok. Donc là, c'est un polyptyque à partir du moment où on dépasse le 3. Eh ben oui, sinon c'est... Ouais. Première ouverture, panneaux centraux. Ah, donc du coup, il y a plusieurs ouvertures du même retable, là, ils sont en train de dire. Ok. Waouh. Voilà. C'était la petite explication un retable. Tu veux qu'on explique ce que c'est un karaoké? Parce que j'ai appris que c'était un coréen qui l'avait créé et que ça n'existait pas avant 1970. Quoi? Un truc dans ce style. Ouais, ouais, c'est chaud. Je crois que j'ai vu passer ça sur internet. Ouais. C'est trop bien. Ok. Voilà. Bon, du coup, c'est... Est-ce que je l'ai enlevé? Ouais. Ça, c'est une autre question. Bon, oui, c'est bon. Ok, ben... D'accord. On a mis dans la frise, oui, on a mis dans la frise. Non, mais là, c'est toi qui est en retard. Remets-toi. Ah là, 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 là. Bon, allez. Tu veux que je te mette directement sur le doigt? Parce que là, ça a l'air d'être peu fourni. Ah, il y a pareil. Peut-être un peu plus de trucs. Elle est suédoise, on est d'accord. Elle est finlandaise. Finlandaise. C'est finlandais, ça? Non. C'est welsh, c'est irlandais. Non, welsh, c'est... Non, c'est écossais. C'est quoi la langue? Je me rappelle plus. Les svenska, swedish. Bon, on est en swedish. Voilà, plus de trucs, ouais, peut-être. Vite fait. Bon, il y a écoute, des, on y a regarde. Des photos, quand même. Alors, donc, Helena Arnell, qui est née en 1697 et qui est morte en 1751, était une artiste finlandaise. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle était mariée, bon, ok, qui est un prof de théologie, et qui était aussi curé. Wow, mais t'as du après la mort, non mais je lis en même temps. Après la mort de son mari, elle dirigeait un manoir à Karuna, Sagu. Elle possédait également un navire. Et ça, c'est beau. Oh, wow, c'est le début de la fatigue. Arnell... Je l'entends au fur et à mesure, là, ça devient grave. Hein. Arnell est considérée aux côtés de Margareta Capsia, que nous venons de voir, comme la première artiste féminine en Finlande. Les œuvres conservées d'Arnell sont peu nombreuses. Elle peint principalement des portraits. Parmi eux se trouve une collection de membres de la famille Gezelius qui fait partie de la collection de portraits de l'État au château de Gripsholm. Voilà. Ok. C'est tout. Et donc on a un portrait là de Karl Holdermann à gauche et un autoportrait, enfin une représentation d'Hélène Arnell en haut qu'on a vu au début de la page. Eh bien on est content hein, parce que là à part savoir qu'elle possédait un navire, j'ai envie de dire... On a fait la liste de ses possessions après la mort de son mari, c'est beau la rédaction. Ouais ouais c'est ça, c'est... d'accord, bah écoute, y'a rien, on peut rien en tirer de cette page, hein, pour l'instant. Oui, bah on va chercher d'autres choses, t'inquiète pour. Alors, est-ce que du coup... Ouais, pardon, sachant que à cette époque-là, la date de première monstration, souvent, c'est une œuvre dans une église ou un tableau acheté par quelqu'un de riche.
Qu'est-ce qui se passe avec le son? Ah non, mais continue la musique. Bah tiens, les dates là sont en gallois. Pourquoi il y a plusieurs personnes? Pourquoi il y a Lucina Fetti? Parce que c'est les commandes, non? Quelques artistes de la même période. Ah! Mais merci, tu nous donnes écoute, des noms. Lucrina Fetti. C'est, en fait, on tombe sur des noms, mais on ne tombe pas sur les dates. C'est intéressant. Je prends. Je vous laisse. Je m'en fais. Tu t'en fais? En fait, je suis en train d'ouvrir énormément d'artistes à côté. vous savez pas à quel point je suis sur tous les fronts. Du coup, Elena Arnay, on va regarder sur Aware. Ouais. En même temps, Aware, c'est 19e et 20e, hein. C'est normal qu'il n'y ait pas les artistes. C'est pas normal. Bah... Vas-y, moi, je veux la bourse de l'histoire. Mais on a déjà regardé, on n'est pas à location. On n'est pas éligible. On peut regarder si tu veux, mais... On n'est pas éligible. On n'est pas éligible. On peut pas aller à Pôle emploi. Mm-hmm. Ouais, y a pas grand-chose de plus, hein. Non. Clairement. Là, il y a le portrait de Karl Odermann, il date de 1740, en tout cas, c'est ce qui est écrit. Mais... Ouais, ça reste quand même 40 ans après sa naissance, 30 ans après sa naissance. Wikidata, est-ce que ça nous aide? Pas du tout. Au pas secours. Du tout. C'est quoi BF Wikipédia? C'est Boyfriend Wikipédia, ouais. C'est le Wikipédia des petits amis. Y'a rien, c'est la même chose. Et en fait, les gens ils piquent Wikipédia, ouais, et ils font des Wikipédia. Ils font des trucs à côté. Bis. Mais ce que je comprends pas, c'est que son tableau il est bien gardé quelque part. Du coup, y a pas de notice dans le musée. Attends. Peut-être que sur Artnet on peut le trouver. Je pense que Artnet ils ont un truc. Mutual Art. Voilà, ouvrir Mutual Art déjà. La page en anglais, c'est ce qu'on a ouvert tout à l'heure. Alami.com, c'est rien. Ouh, y a pas grand chose. Non, y a que Mutual Art. Y a peu de choses. Alors du coup, Mutual Art, allons-y. Bah, on est content. Bah, y a même pas. Attends, y a même pas d'où ça vient. Excuse-moi, je veux pas acheter avec le compte de 13 bis. Vous êtes bizarre. Unlock sale information. Mais c'est bizarre que ce soit en. Ah, on peut pas avoir des informations genre autres. Genre la source du truc, on peut pas. On doit payer. C'est un NFT, c'est ça? Attends, il y a le nom en nom traduit là. On va chercher directement le titre. Artnet, allez hop. Oui, mais on était pas. Ah non, on était pas déjà sur Artnet. Ok, alors. Non mais c'est incroyable. Ça veut dire que là il y a personne qui a cette œuvre. D'où on a la photo du coup? Je sais pas. C'est une œuvre disparue, c'est encore un truc de Lupin? Non, elle a été enchérie, mais. Et encore un truc de Artnet. C'est la même. C'est la même, sauf qu'on quand tu cliques ça marche pas. C'est très bizarre. Ouais, y a rien. Hein. Wiki documentarise. Artprinta. Attends, regarde, Artprinta. Mais ça va être un. Et après il y a Géanet. Là, c'est un documentaire. Il y a plus de choses? Non. Wow, c'est chaud. Ah, par contre, la liaison avec monsieur, là, elle est faite. Hein. Donc là, il y a la date. Bah non, c'est la date de... Bah, c'est la date de cette personne. J'ai 69 besoin. Euros, bah donc. Ah, c'est un tirage d'art, c'est pas une... C'est bon, quoi, Artprinta, c'est un truc qui permet d'imprimer des œuvres d'art, apparemment. Ouais. Vas-y, j'espère moi qu'ils je ont veux. Les droits, parce que... Moi je veux. Comment il s'appelle Kunz. Est-ce qu'on a des œuvres de Kunz? Est-ce que c'est 30 euros? Ah, bah non, c'est étrange. Bah non, mais. Le c'est... droit. Le droit. Est-ce que Picasso, on peut l'acheter à 10 euros? 34? Paul Cézanne, non, du Paul Cézanne. Ok. C'est bon. Bizarre. Intéressant. Bon, bon, alors en tout cas, coup, on a deux rien. Sources, hein, j'imagine. Bah oui, parce qu'on a juste le fait que c'était une artiste, mais... Ouais, manque de ressources. Je mets dans Framapad. Margarita, on avait trouvé tout. Hein.
Juste vérification, hein. Allô? Je sais pas. Tu ne me réponds plus. Allô, bonjour? Oui, Margaretto, on a trouvé. Margaretta, s'il te plaît, respecte les prénoms des gens. Margaretta. Margaretta. Bonjour. Pourquoi elle dit bonjour, petit coquin? Tu as disparu pendant un moment? Elle est comme nous, elle est fatiguée. Redis bonjour. Bonjour. Elena Arnel. Arnel, du coup, c'est manque de ressources. Hop. Je mets le petit... Je te réponds. Ok. Alors, du coup, Anna, ça c'était Anna Seldar Home. C'est le manque de ressources de tout à l'heure. Ok, bon, du coup, je vous montre ce qu'on a ouvert. Il y a John Wright qu'on vient d'ouvrir juste avant. Qui n'a pas l'air d'avoir grand chose aussi. Donc ça risque d'être aussi autre chose. Dans la liste qu'on a vue, il y a la liste, il y a Marie-Anne Collot. On pourrait la faire tout de suite, hein, voilà. Il y a Lovisa Charlotta. Je suppose que c'est elle, oui. Lovisa Charlotta, je vérifie que vous voyez bien. Oui, en effet, vous voyez bien. Ensuite, on a... Je continue, hein, mais voilà. Elena Arnel, ça c'est tous les noms. Et du coup, je finis juste d'ouvrir du coup tous les noms de Lady Salon. Donc il manquait Adélaïde Labiguillard, que je vais prendre son nom tout de suite, devant vous, Indirect Live. Alors ce n'est pas du tout ce nom, voilà. Hop. On recherche ça. Ensuite, Ulrika. On recherche ça. Donc ça fait hop, hop, donc ça c'est toutes les personnes de 1600 qu'on a ouvert, hein. Du salon des femmes, Ulrika, Marie-Anne Callot, et c'est ouais, bon, c'est je bon. Pense, oui, Elena Arnel, du coup, qui fait partie de ce même salon, mais on n'a pas plus, et Charlotta, du coup, qu'on a déjà ouvert, voilà. Très bien. Donc du coup, si tu veux, on finit avec une de ces personnes-là, parce que ouais, je suppose Colo, que la richesse est bien écrite. Hop, 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 hop. Marie, tu veux faire ouais. Ça? Ouais. Mmh. Attends, je récupère juste Joan White, puisqu'on va mettre en manque de ressources, et Anna, que je mets en manque de ressources aussi. Donc du coup, si t'es prête, bah, je suis prêt. Allez. Alors, Marie-Anne Collot. Donc c'est une sculptrice française née à Paris en 1748 et morte à Nancy en 1821. Elle est élève et bru. Qu'est-ce que ça veut dire déjà bru? C'est la belle-fille, non? Je sais pas. Élève et bru d'Étienne Maurice Falconet. Elle est connue pour ses portraits sculptés et fut une proche des cercles philosophiques et artistiques de Denis Diderot et de Catherine II. Alors, est-ce que tu peux... Voilà, merci. Donc, elle est née à Paris à la fin des années... Belle fille. À la fin des années 1748, dans des conditions très obscures. Elle a perdu tôt sa mère et son père ne s'occupait que très peu d'elle et l'avait presque délaissée. Marie-Anne Collot entre en 1763 comme modèle dans l'atelier du sculpteur Jean-Baptiste de Lemoine, c'est n'importe quoi, à Paris. Celui-ci eut une influence déterminante sur sa carrière de portraitiste. Les excellentes leçons que Monsieur Lemoine lui donne pour les portraits... bon, on s'en fout. Ok. Alors, avant d'avoir eu 16 ans, elle entre ensuite dans l'atelier d'Étienne Maurice Falconet, proche de Denis Diderot, pour apprendre à dessiner. Par la suite, elle devient l'élève et la fidèle amie du sculpteur, qui remarquait son talent inné, doué d'une remarquable précocité. Elle savait surtout saisir la ressemblance et a bientôt modelé quelques bustes. Son jeune frère devient apprenti chez le libraire Le Breton, qui fut à l'origine de l'encyclopédie. Étienne Maurice Falconet s'attache les talents de portraitiste de Marie-Anne Collot, et cette riche collaboration professionnelle fait naître plusieurs rumeurs sur leur relation. Néanmoins, il est dur de prouver ou nier que Marie-Anne fut la maîtresse du sculpteur, vu que la majorité des sources a été débarrassée de chaque détail déplaisant
par sa fille après sa mort. Ça, c'était tellement la mode à une époque d'enlever tout, non, jusqu'à très longtemps, en fait. Ce qui suggère une relation d'amour avec son maître sont des lettres de Diderot adressées d'abord à Falconet et elle, puis à Falconet seul pendant leur séjour en Russie. Je ne vais pas lire parce qu'après on va me dire que je prends une voix bizarre et qu'on lit des trucs pas intéressants. Donc il y a une longue citation que je ne vais pas lire. En soi, si c'est son histoire de fesses. Oui, c'est ça. Les premières œuvres de Marianne Collot, dont beaucoup sont aujourd'hui perdues, sont des bustes de terre cuite des amis de Falconet. Donc Diderot, l'acteur Préville en Sganarelle, ou le prince Dimitri Alexiovitch Galitsyn, ambassadeur de Russie. L'identification des bustes de Grimm et d'Amilaville repose sur une erreur d'interprétation d'une lettre de Diderot. Il s'agit en fait de deux bustes en terre cuite de Diderot, destinés l'un à Grimm, l'autre à Damilaville, ses amis. Tout le monde reconnaît dès lors le talent de la jeune fille, son honnêteté et la vivacité de son esprit. Son honnêteté par l'œuvre. L'honnêteté par l'œuvre. Alors, le séjour en Russie de 1666 à 1778. En septembre 1766, elle suit Étienne Maurice Falconet à Saint-Pétersbourg, où celui-ci est invité par Catherine II en vue de la réalisation d'une statue équestre de Pierre Ier de Russie, dit le cavalier de bronze, que l'on voit à droite. Falconet confie à sa protégée, particulièrement douée pour les portraits, la tâche difficile de la réalisation de la tête de Pierre le Grand pour la statue du cavalier de bronze. Après consultation de toute l'iconographie disponible, elle soumet un projet qui reçoit l'approbation générale. En décembre de cette même année, elle présente... C'est dommage là parce que j'ai oublié de mettre Streamlabs, enfin Stream Captioner, etc. Ça aurait été archi marrant de voir la trad. C'est le futur aussi. En décembre de la même année, elle présente ses travaux devant l'Académie impériale des Beaux-Arts où elle est élue le 20 janvier 1767. Pendant que le séjour initial en Russie était prévu de 4 ans, elle y passera une grande période créatrice de 12 années. À la demande de Catherine II, elle réalise le portrait d'Étienne Falconet et, en 1772, un buste de Denis Diderot, à la vue duquel, dit-on, Falconet brise celui-ci qu'il avait lui-même sculpté. On ne sait pas pourquoi, le mec était énervé. D'accord. Puis viennent des bustes... Excuse-moi, il y a de la censure. Puis viennent des bustes d'Henri IV, de Sully, de Voltaire, peut-être de D'Alembert, et plusieurs de l'impératrice en personne, du grand-duc Paul et de la grande-duchesse Nathalie, ainsi que des médaillons en marbre de personnalités soit historiques, telles que Pierre Ier, soit présentées à la cour, telle l'impératrice Elisabeth, ou encore Lady Cathcart, épouse de l'ambassadeur d'Angleterre Charles Cathcart. Et leur film. Bah ouais, Cathcart. C'est Cathcart. Cathcart. Et leur fille Marie, qui est réputée pour sa beauté. J'étais en train de me dire un truc très bête pendant que je lisais. Je me disais, est-ce que ces gens, ils étaient genre archi connus à l'époque en mode Lady Cathcart, c'était Lady Gaga, quoi, tu vois. Genre tout le monde la connaissait. Mais non. Bah, je sais pas, ça a l'air d'être des gens en 4K, validé. Non, mais en fait, faut que tu réfléchis, si tu te rappelles la distance en cheval. Ouais. Déjà. Et combien de temps sont aptes les gens à faire du trajet. Plus. Bon, après, il y a des compteurs commerciaux et compagnie, mais il y a un truc où tu es reconnaissable aussi uniquement grâce à l'art. Aussi. Ouais, hein. Ouais. Tu te rappelles qu'il y a le fait du portrait. La distribution de ce portrait-là et donc de dire que ces personnes-là sont importantes parce qu'elles sont portraitisées. Non, mais parce que je me disais, par exemple, est-ce que le grand-duc Paul, que moi je sais même pas qui c'est, ou de la grande-duchesse Nathalie, c'est quelqu'un, tu vois. Quand même grand-duc, hein. Ouais, mais grand-duc, c'est pas grand-chose, hein. Voilà, Il a 2 ans. C'est pas parce qu'il a 2 ans dans sa photo qu'il a pas 80 balais. Attends, regarde. Dans son portrait, il a 2 ans. En vrai, il l'a posé. Non, mais regarde, il a écrit qu'il est né en 1954. Il a été assassiné en 1801. Ouais, il était un peu vieux, j'avoue. Mais... Non, mais c'est ce que je te dis. Les gens, rappelle-toi que les portraits, c'est de la mise en valeur de gens. Oui, c'est vrai. Et la grande-duchesse Nathalie. Ok. Qui avait aussi. Qui est morte à 21 ans, la pauvre.
Bah voilà, c'est, on vivait... Bon bref, l'artiste dispose d'une confortable pension... C'était une vie de violence. L'artiste dispose d'une confortable pension de 600 livres par an qui était fixée avec dans le traité avec Falconet, représentant pour elle une fortune. Oui, c'est ça. C'est, en fait, le principe des ducs et des duchés, en fait, c'est juste t'as une rente à vie des petits barons et des compagnies qui te payent ta rente, quoi. Mm. C'est un peu comme nous, sauf que, en fait, tu vois, attends, j'ai pas lu le truc de dessus. C'est un peu comme nous, tu vois, genre, où au moment où t'as une crise économique, on demande aux citoyens de payer les problèmes économiques, mais c'est les entreprises qui récupèrent. Ah. Tu vois, c'est un peu la même chose. Donc, on a pas beaucoup évolué depuis 1700. Hein. Laissez-nous lire, monsieur. Ah non, moi, je fais ma propagande. Hein. Alors, donc, on va nous dire qu'elle épouse le 27 juillet 1777 à Saint-Pétersbourg le peintre Pierre-Étienne Falconet, fils du sculpteur. Bah, bravo. Selon Corberon, c'était un mariage de liens financiers. J'en peux plus. Ça a tellement pas changé ces histoires, j'en peux plus. Il n'y a que l'argent qui était la cause du mariage. Ouh là là. Ça y est, on est enroulé. J'ai voulu faire la voix de France Culture quand ils font les lectures de trucs. Il n'y a que l'argent qui était la cause du mariage. Si, il y en a certains, ils ont cette voix-là. Mais certains. Oh. Alors. Une fille, Marie-Lucie, dite Machinka, naît en avril 1778. Mais pourquoi tu rigoles de cette union malheureuse et éphémère? Tu pries, wesh. Tu sais, quand ça clignote ici, ça veut dire que tu dépasses l'entendement. Excusez-moi. Moins de 3 mois après sa naissance, Pierre-Étienne rentre seul en France. En septembre, Marianne Collot quitte avec sa fille Saint-Pétersbourg et se réfugie à Paris en 1778. Puis à La Haye avec son enfant auprès de son beau-père, le sculpteur. Tu sais que même quand tu parles comme ça, ça tape dans les rouges, c'est ouf. Vas-y, continue comme ça, c'est bien. Le 20 novembre, elle arrive à Paris avec sa fille et elle retrouve son époux. En juillet 1779, c'est la rupture du couple. La situation familiale difficile débuta le déclin de sa carrière. On va te laisser streamer toute seule un jour. Parce que je veux voir les envolées lyriques. Hein. Séjour en Hollande. Wow. Mais la dernière fois, j'ai écouté Le Rouge et le Noir de Stendhal lu sur France Culture. C'était genre merveilleux. Mais pourquoi? Ouh, alors, elle va en... Bah, je sais pas. En Hollande, en 1779, accueillie en Hollande pendant 15 mois par son amie la princesse Galitzine, elle exécute les bustes en marbre de Guillaume, prince d'Orange, et de son épouse. Là. Mais pourquoi tu rigoles? Quand c'est d'orange, ça me fait toujours rire. La princesse Wilhelmine de Prusse. De plus, elle fait le portrait du docteur Camper qui a vacciné sa fille contre la petite vérole. Non mais il y a que des noms bizarres. Prince d'Orange, docteur Camper, on est dans un épisode de Dora, wesh. Ah, j'en peux plus. Donc elle va rentrer à bientôt Paris. Bientôt il y aura Monsieur Lacarde. Il y avait Monsieur Gadecard déjà. Ah, j'en peux plus. Donc elle va rentrer à Paris à la fin de 1780. Et elle va produire encore un portrait de Godefroy de Villetaneuse. Ses œuvres auront été les dernières qu'elle aura fait en raison d'une tragédie familiale en mai 1783. La paralysée de Falconet, son beau-père et maître. Pourquoi tu mets des intonations de ouf, hein. Elle va prendre une retraite prématurée ensuite, lorsqu'elle va renoncer définitivement à la sculpture, et elle va se consacrer désormais à l'éducation de sa fille et aux soins apportés à son beau-père et maître, tombé gravement malade, jusqu'à sa mort en 1791. Et ensuite, son mari va die aussi à la suite, donc voilà. Et la Révolution bouleverse tout ce monde des artistes, des écrivains et des philosophes. Wow. Son maître, son mari, ses amis étant morts, Marianne Collot achète en 1791 le domaine de Marimont, normal, commune de Bourdonnais en Moselle, et elle se retire et mène une vie paisible. Elle y est enterrée. Ah oui, c'est une aristocrate en fuite en fait. Bah ouais, en fait, quand il y a la révolution, tu t'achètes un domaine quoi, normal. Ouais, c'est... non mais c'est ça, c'est. Il n'y a pas de soucis. Il y a beaucoup de monde qui sont fait juger par les citoyens du coup, de la République. Mm. Et
Et du coup, elle s'est dit, oh, moi j'aimais bien la royauté, je me barre. Ouais. Okay. Donc là, on a un peu des œuvres, c'est les bustes qu'on voit là. Donc elle, par exemple, la grande duchesse, qui avait cette tête en peinture, avait cette tête en sculpture. Hein, donc elle se retient. Tu peux agrandir quand même la photo, parce que là, nous, on la voit en grand, parce qu'on a un grand écran, mais... Disons qu'on n'a pas tous les mêmes opportunités. Hein. Eh ben, faut arrêter les vieilles accents qu'on s'envoie dans les streams de l'un et de l'autre. Hein. Parce qu'en plus, on sait les refs, tu vois, c'est ça le pire. Ouais, exactement. Moi, j'aime pas trop les bus, ça me glace le sang un peu. Bah, c'est parce que c'est des bouts de gens, peut-être. Non, c'est pas ça. Par exemple, Pierre Ier le Grand, bonjour. Il fait peur. Arrête. Je trouve que par exemple, les sculptures de Camille Claudel, elles sont différentes, tu vois, elles sont un peu vivantes. Là, on dirait juste. Ouais. Marie Cadcar, allez, c'est elle. Non, mais tu sais, il y a un truc très simple, c'est le côté. Le côté académique en fait. Le côté académique du truc, tu sais, de vouloir rester dans les codes d'un truc que t'as déjà vu historiquement. Dans l'histoire de l'art, de rester dans ces cadres-là et de pas essayer de dépasser, tu vois, ou d'évoluer, ou de repenser les trucs, etc. Et de vouloir absolument, c'est un truc de réac d'histoire de l'art, en fait, au final, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu comme, j'ai vu récemment, il y a un truc qui est sorti, là, où... Ah oui, c'est Manon Bril et Histoire du Monde, je crois, qui ont fait une vidéo sur les statues et les couleurs de la Rome et la Grèce antique. Je crois qu'il y avait un truc où, pour inciter les gens à venir se battre aussi, je pense, dans les commentaires, c'était les statues n'étaient pas blanches, et c'était moche. Ah. Et en fait, je me suis dit, c'est fou parce que cette idée-là, par exemple, de la statue blanche marbrée ou je sais pas quoi, tu vois, genre un truc hyper propre et compagnie, ça, c'est ce qu'on en a longtemps, énormément longtemps après, quoi. Il y a eu des guerres, il y a eu du feu, il y a eu tout est passé pour pouvoir détruire, en fait, ne serait-ce qu'un pigment, quoi. Et en fait, on se retrouve, encore maintenant... je pense, à essayer de prôner un truc comme ça. Je dis pas que Manon Bril et Histoire du Monde, c'était dans cette volonté-là, hein, mais j'ai pas vu justement la vidéo, mais j'ai vu le texte. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est marrant que en fait, ouais, cette représentation-là, tout le monde l'a, en fait, l'histoire de la statue blanche. Sauf qu'en fait, elle devrait même pas exister. Et quand tu vois les peintures qu'il y avait sur les statues, en fait, c'était hyper coloré, il y avait du jaune, du bleu, et en fait, quand tu regardes l'histoire du pigment, c'est logique. L'histoire du pigment, il y avait énormément de couleurs déjà à la Grèce antique, en fait, il y avait énormément de pigments. Ah oui, en Grèce, c'était ultra coloré, les... Mais ça, en fait, tu vois, genre... Bon, on va essayer de regarder, genre, les statues colorées, comme ça, on va vous Alors, montrer vite fait. Alors, je vous dis, je me suis pris des notes, parce que I am très intéressée par la question des femmes sculptrices. Qui sont françaises et qui ont... Voilà. Pour savoir un peu... Mais on va juste ouvrir celui-là, ça suffit, je pense, pour voir le nombre de couleurs qu'il y a. Mais par exemple, ça, là, tu vois, ça, c'est... ça, tu vois, genre... je suis désolé. Mais moi, je suis désolé. Mais c'est quoi, ça? Bah, ça, c'est la couleur véritable d'une statue antique grecque. Ah bon? Ou thébienne, ou je sais pas quoi, là, tu vois. Et du coup, regarde la polychromie, les recherches sur les couleurs de ce que ça pourrait être aussi de l'époque romaine, c'est ça. Et en fait, tu vois l'image... Ça fait cheap, hein, quand même, hein, avec la couleur. Mais c'est ça, en fait, le truc. Tu vois le côté cheap que tu dis. Mais il y a des millénaires qui ont été construits en se disant que tout était blanc, en fait. Alors que non. Et tu vois, en fait, c'est assez marrant, mais celle-ci, elle est très connue, ça fait très longtemps qu'elle connaissait les couleurs. Mais tu vois, par exemple, celle-ci, elle est... C'est justement la vidéo qu'ils ont... Bah, je vais essayer de regarder. C'est ouf. C'est Revue du Monde, pas Histoire du Monde que j'ai dit. C'est Revue du Monde. Manon Bril et Revue du Monde, je crois. Qui
sont des très bonnes youtubeuses, hein, je vous le conseille, qui ont fait du coup une vidéo, Charlie d'ANG. Les statues n'étaient pas blanches et c'était giga moche. Donc ça, c'était du côté des revues du monde. Cet épisode c'était a été giga moche. Donc il y a une sponso, donc je vous laisse regarder la sponso vous-même. Hein. Hop. Donc ça c'est pour Revue du Monde. Voilà, donc il y a toutes les informations. Du côté de C'est une autre histoire. Ah oui, il y a le tribunal de l'élection, mais ça c'est pas la même chose. Donc C'est une autre histoire, c'est du coup la chaîne YouTube de Manon Bril. Donc je pense qu'ils ont fait une vidéo en commun. Donc en fait l'idée, je sais pas s'il y a eu des deux côtés. Non, il n'y a pas eu des deux côtés. Alors je vous conseille d'aller les voir de toute façon parce que c'est toujours intéressant de voir du côté de l'histoire. Donc Revue du Monde, c'est énormément du côté de l'histoire et Manon Bril du côté de l'histoire de l'art. Donc en fait c'est intéressant. Par contre le titre, tu vois, par exemple, moi ça me pose des questions sur l'image, tu vois, et de la manière dont elles vont en parler. Je l'ai pas vu encore, mais du coup ça m'intéresse quoi. Bon, bref. Toujours bien les petites précisions de Wisebot. Ouais, mais je suis désolé, en fait je devrais pas mettre ça. Bah, le nombre de vues et le nombre de likes, est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas, en tout cas lui il considère que c'est intéressant. Pour répondre à ta question, Petit Ganganou, oui, les femmes sculptrices françaises. Parce que je suis tombée sur en tout cas dans le sens commun, on a l'impression que Camille Claudel c'était une des premières femmes sculptrices connues. En tout cas, nous on parle beaucoup et en fait, il y en a eu pas mal d'autres avant. Bah, il y a eu beaucoup d'influences aussi, mais dont on connaît pas les noms. Et en fait, j'essaye de voir comment les artistes étaient entourés. Les artistes femmes, elles étaient entourées au niveau de leur apprentissage. Parce que souvent on a des constructions hyper... Là on le voit pas trop au final, en fait à force de lire les pages, mais il y a un truc toujours un peu dramatique dans la façon de présenter les histoires de vie des femmes artistes, je trouve. Il y a toujours un truc genre... soit elles étaient éperdument amoureuses, soit elles sont mortes dans le chagrin, enfin des trucs comme ça, mais ça c'est le personnage féminin. L'appel à l'émotion. Ouais. Et en fait, peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler plus de sur Camille Claudel, mais en fait, elle était sûre. Ah mon Dieu. On dirait une statue dans Dishonored. Alors je sais pas si vous avez joué à Dishonored, mais c'est exactement ça. Quoi. Ouais, donc je disais que a priori Camille Claudel, c'était plus une personnalité qui avait besoin d'être seule pour travailler et qui du coup s'est isolée de pas mal de gens, comme on l'a retrouvé d'ailleurs dans quelques profils de femmes artistes. Il y en a qui se sont isolées à la fin de leur vie et tout, et en fait elle était isolée et elle a travaillé de comme une tarée en fait, et elle avait jusqu'à avoir une vision a priori complètement déformée de la réalité qui a fait qu'on l'a amenée qu'elle a été internée en fait. Et c'est pas du tout... en tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était de son histoire avec Rodin, en tout cas de comment... ce que Rodin lui avait fait vivre, qu'elle serait allée dans les hôpitaux psychiatriques et tout ça, alors qu'en fait, sûrement, il est là... Enfin, il en est une des causes, mais c'était pas la cause principale. Bonjour, Rodemère. Coucou. Bienvenue. On était en train de parler, justement, des statues et... C'était pas pour toi le alors non c'est non, hein, c'était pour Rodin. Et du coup, on est en train de parler des couleurs des statues. Je sais pas si t'as vu du coup les statues qu'on a montrées, mais je vais te montrer du coup le. Je pense que ça va être intéressant, c'est l'histoire des pigments. Parce qu'en fait, ça c'est intéressant. History, j'ai mis. En fait, il y a des chronologies des pigments. Je vais essayer de voir si... Ouais, mais d'ailleurs, les... J'en avais trouvé des super bien, parce que j'aime bien, moi, chercher ça. Les restaurateurs, ils arrivent à dater certains tableaux par l'historicité des pigments, en fait. Ils savent que, par exemple, la peinture de Bidule, elle a été plus faite dans cette période-là, parce qu'après, il y avait des mélanges avec d'autres trucs chimiques, et ça donnait pas la même couleur, quoi. Non, mais ça, c'est une œuvre. Ce pigment de timeline. Ça, c'est une œuvre. On va essayer de trouver un truc un peu cool. Mais en fait, j'avais trouvé des super bons sites justement pour ça. Alors, je vais faire chronologie de la couleur, peut-être. C'est mieux.
Ouais, ça c'était pas mal ça. J'avais trouvé ça, c'était pas mal. Parce qu'en fait, on se retrouve avec beaucoup de nuances, premières couleurs au début. Alors ça, c'est en 1900 déjà, je crois. Ouais, ça c'est 1900. Alors, faut pas oublier que par exemple, les tubes de peinture, c'est 1900. C'est pas avant. Hein. Et du coup, il y a eu une multiplication de ces trucs-là, et donc de la sortie des artistes à ce moment-là à l'extérieur, et qu'avant, tout était fait de mémoire ou de croquis, et donc du coup, toutes les couleurs étaient limitées aussi à ce qu'on pouvait travailler avec d'où viennent les pigments, c'est-à-dire des minéraux en général. Et donc je vais essayer de vous montrer ça, mais ça c'est vachement intéressant, du coup, je sais pas si on va trouver vite. Sinon, je vais devoir chercher très rapidement. The Many Color of... Non. Bah ouais, mais c'est ça, color chronologie, là. Comment ça, on va devoir faire une chronologie, une autre? Chronologie des couleurs. Color chart of... Non. Timeline of historical... Ah oui, mais ça, c'est les films. Donc les films, c'est pareil. Hein. Imaginez que les films, c'était en noir et blanc au début. Et... Enfin, c'est pas imaginé, c'était... Enfin, je pense que vous avez l'âge pour savoir. Je vais essayer de trouver pendant qu'on finit. Tu te rappelles de la date d'ailleurs de... Pour Marie-Anne Colo. Non, je n'ai pas regardé. Ok, bon, on a trop rigolé à la lecture, j'ai oublié. Je te laisse regarder. C'était avant, je pense, l'Académie des Beaux-Arts où elle est élue. Et ben si, c'est le moment où. Est-ce que le moment où elle fait les dessins et les recherches pour la tête de la statue équestre de Pierre Ier, je pense que c'est ça en fait le premier truc. La tâche difficile de la réalisation de la tête de Pierre le Grand, septembre 1766, c'est ça? Ouais, après ils nous disent en décembre de la même année, elle présente ses tableaux durant l'Académie impériale des Beaux-Arts où elle est élue. Oui, donc c'est pareil, c'est ça, 1766. Oh là là. Je vais pas trouver. J'ai tout bien rangé, mais je vais pas trouver. Je sens. Ah, ici, histoire. Ah, A Brief History of Color. Donc ça, c'est artsy, peut-être que c'est ça. Il y a du rouge de 1700. Je suis en train de regarder dans mes onglets, ça va être compliqué. Pigment, ah voilà, pigment à travers les âges. By first date of use, voilà, c'est ça. C'est ça qui est bien avec moi, c'est que je suis un collectionneur de favoris dans ce genre. Hop. Hop. Voilà, hop, ça c'est très bien. B. Coller. Bon, j'espère qu'il n'est pas trop tard, mais on va bientôt finir. De toute façon, je vous envoie ça. Ah ouais, alors après, je sais pas si vous allez avoir un bon rendu sur l'écran, mais... Je vais zoomer, vous inquiétez pas. Et de toute façon, c'est interactif, donc vous inquiétez pas. Donc en préhistoire, il y a du charbon, donc on en fait. Il y a du noir, qui est du coup du noir d'os, de l'ambre, du rouge ocre, et du yellow ocre, donc du jaune ocre, tout simplement. Et du lime, donc lime ça doit être de la... Alors apparemment c'est du charbon et du Bianco San Giovanni, donc je sais pas exactement, mais après voilà. Et ensuite on a forcément une démultiplication, mais par exemple le bleu il arrive à l'Antiquité, et ça vient des Égyptiens. Et ensuite, on se retrouve avec des couleurs. Il est utilisé que à l'Antiquité d'ailleurs, plus après. Alors, ce bleu-là, c'est l'Égyptien bleu, donc oui, c'est un bleu particulier. Et en fait, tu te retrouves avec. Après, tu vois, par exemple, au moment de la Renaissance, au moment de. Je crois qu'il y a. Voilà, l'azurite, par exemple, c'est celui qui est utilisé principalement pour les rois, je crois. Et donc, du coup, tu te retrouves, par exemple, à ça, qui s'arrête au moment justement de la Révolution. De l'ère industrielle. Ça, je vous envoie, regardez. Et du coup, j'avais trouvé un autre truc. Vite fait. Tu oublieras pas de mettre le lien dans le chat. Ouais, ouais. Et donc, du coup, celui-ci, c'est toutes les couleurs. Donc là, c'est l'Antiquité. Donc là, c'est toutes les couleurs qu'on a recense de l'Antiquité. Hein, avec d'où ils viennent et compagnie. Hein, vous pouvez cliquer dessus, je crois. Donc ça, c'était tout. Préhistoire. Donc là, on peut voir, il y a très peu de choses. Antiquité.
On commence à avoir du bleu. Moyen-Âge, ça se limite. Parce qu'on a perdu beaucoup. Rappelez-vous qu'on a perdu beaucoup entre l'Antiquité et le Moyen-Âge aussi. Hop, on revient. Ah bon, là, c'est le peu de couleurs qu'on utilise au maximum en 1700-1800, j'ai l'impression. Et ouais, ça doit être... De plus en plus... Ouais, il y a des pertes... En fait, il y a des oublis, bien entendu, forcément. Oui, ou des modes, peut-être aussi. Des modes aussi, bien entendu. De ce qui revient le plus, parce que là, tu vois, 2000 à aujourd'hui... Le Yemen Blue, par exemple, c'est un truc qui a été racheté, hein, je crois, sûr. En fait, voilà. Je vous envoie celui-ci, déjà, ça peut être intéressant. Et du coup, je vous envoie celui-là, qui est Web Exhibit. Voilà. Bon, après, je sais pas le rapport hyper précis de recherche que c'est, mais en tout cas, c'est intéressant malgré tout pour pouvoir un peu savoir ses couleurs, quoi. Voilà, voilà. Ça, c'était le petit côté geekos de la couleur. Et du coup, on avait dit 1700... 1766, je sais pas. Ouais, 1766. Hop. Et du coup, voilà, c'était bien. On a fini un peu... Non, on est en avance encore. Non, c'est juste qu'on est fatigué, de ouf. Mais la chaleur, tout ça, vous comprenez, c'est compliqué. 66. Nous, déjà, 2 heures de travail, quoi. Marie-Anne Colo. D'accord, c'est écrit comme ça, hein. Mm. Hop, hop, hop. Voilà, j'espère que vous appréciez mes super envois. Monsieur Kanganou qui dit perso 23h et le nouveau 2h du mat. Ouais, pas faux, hein. Mais là, c'est... Bah, comme on a été habitué pendant quand même très longtemps à rentrer chez nous à 18h, et donc à manger à 19h30, et à se dire, oh, la soirée, elle est vachement longue, il est que 22h. Ouais, ouais, et en plus, il y a ça, plus le fait que là, il y a la chaleur qui revient, donc on est plus fatigué aussi, parce que... à 6h du matin, vous êtes ébloui par la lumière, si vous avez une fenêtre est, et ouest, le lever, je me rappelle jamais. Je sais pas. Voilà, donc du coup, c'est compliqué, hein. 6h du mat, c'est chaud. Et du coup, on a reparlé... On a reparlé ces derniers jours de potentiellement Chronologie des femmes artistes, épisode 32. Oui. Qui serait... Potentiellement, du coup, on le fait. Ouais, on fait le Chronologie des femmes artistes 32, donc la semaine prochaine. Et ensuite, on avait émis l'hypothèse la semaine dernière que peut-être il y aurait un dernier... Enfin, plutôt après des hors-séries. Mais peut-être moins de régularité comme on a fait jusqu'à maintenant pour voilà, faire un peu une pause, voire réfléchir à tout ce qu'on a fait, organiser les choses, tout ça. Et j'arrive plus à additionner dans ma tête, donc je vais regarder. Alors je vous montre en passant, du coup, en attendant que tu calcules, justement le programme des sorties YouTube, parce que nous on calcule par rapport à ça aussi. Du coup, ça ferait une pause jusqu'en août, potentiellement. Une pause de Chronologie des femmes artistes. C'est-à-dire qu'à la fin août, on revient en septembre. Et on recommence, quoi. Et on continue, ouais. Soit fin août, soit début septembre, d'ailleurs. Parce que du coup... Je vais pas spécifiquement regarder, par exemple, que le 2 septembre, si c'était un jeudi. Mais j'imagine que non. Parce que c'est un peu la douille. Ah, mais si, c'est un jeudi. Bah voilà, le 2 septembre, on revient pile. Et on upload direct. Non, on va voir comment ça se passe, mais du coup l'idée c'est il y aura forcément les hors-séries, parce qu'on va sans doute en faire d'ici là, parce qu'on a quand même, là on est quand même en début juin, donc le truc c'est qu'on a tout juin et tout juillet malgré tout à pouvoir faire des trucs. Après on a des impératifs qui sont soit perso soit pro, et qu'on doit aussi un peu travailler. C'est ça, parce que moi je me disais là du coup la semaine prochaine c'est le 10. Et il y a encore le 10, le 17, le 24, moi je sais que c'est sûr que je pourrais pas, le jeudi 24.
Donc c'est pour ça qu'on s'était dit, mais de toute façon, a priori, on peut s'arrêter au 32. Mais peut-être qu'on peut se dire, enfin, si t'es d'accord, que le jeudi 17, peut-être qu'on fait ce fameux hors-série que j'ai commencé à préparer pour un peu clôturer ce truc. Et donc le 24, il n'y aura pas de stream. Il y aura sans doute un stream où je vais m'amuser à juste faire des... Oui, voilà, en tout cas, il n'y aura pas ce format. Je vais faire toutes les... Attends, je finis juste la page. Je vais sans doute finir genre toutes les... Alors, je sais pas, du coup, moi, je voulais pas trop le faire en live, mais je vais faire toutes les miniatures, parce qu'il y a bien entendu toutes les miniatures à préparer aussi pendant qu'on ne sera pas là. Mmh. Et ça serait bien de le faire. Il y a Chipstream, j'ai calculé. Omori va dépasser en septembre. Et j'ai encore 5 épisodes de Omori, calculé, là, ouais. Dans les pattes, si aussi j'arrive à faire 20 heures pile, si je fais pas un speedrun, quoi. Du coup, ça veut dire que s'il y en a 5, là par exemple, vous pouvez le voir, Omori commence déjà le 19 septembre. Voilà. En vrai, il y a Vandals et Going Under qui arrivent, il y en a 5 aussi, presque de chaque. En ce moment, il y a Survivalist et Untitled Goose Game, donc pour le Chillstream, en tout cas, c'est blindé déjà. Et j'aimerais bien, en fait, par exemple, que le 1er juillet, je fasse un stream sur. Et ça tournait que le fabuleux, le préquel de Phoenix Wright, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et de faire des objections comme ça, genre avec la musique, je suis motivé. Mais faut que je l'achète et tout. Donc on verra ça le 1er juillet parce qu'il est actuellement il est en précommande et tout. Et ça serait cool. Donc ouais, moi je propose la semaine prochaine, jeudi 10, on fait le dernier chronologie des femmes artistes pour cette saison, en tout cas sur ce format-là. Et le 17, le hors-série que j'ai préparé. Et du coup, après, je te laisse l'entièreté de la responsabilité du stream sur le dimanche et peut-être d'autres formats peut-être plus courts ou des moments où tu sens... Il y a Pinata aussi, peut-être, que tu vas faire. Pinata ! Ouais, en fait, il y a des trucs où on va s'amuser. C'est juste qu'on aura un peu de temps et on va s'amuser. On préviendra, j'espère, mais... Oui, on va peut-être changer, voilà, faire un planning plus souple. Ouais, il n'y aura pas les jours spécifiques. Là, c'est des formats très spécifiques en vrai, qu'on a fait. Mm. Le truc, c'est que par exemple, pour le hors-série, ou même juste avant, peut-être qu'on va faire peut-être le 32 même. Petit cancanou, tu viendras peut-être sur Discord. Oui. Pour qu'on puisse faire un topo de ce que toi, tu aimerais voir aussi. Parce que tu es notre principale spectatrice. Et du coup, qu'on puisse aussi en discuter si jamais tu as envie. Voilà. Il y a quoi d'autre aussi qu'on pourrait discuter de d'autres trucs en fait, voir un peu ce qu'on peut faire. Bah bonne nuit. Bonne nuit Audemer, merci d'être passé. Ouais, merci d'être passé. Je sais pas si c'est nous ou si c'est toi, mais désolé pour le bug. Il y a des trucs intéressants. Non, mais si t'as pas des trucs intéressants, c'est pas grave, de toute façon. Non, mais ça peut être aussi des trucs que t'as bien aimé dans le format, des choses que, tu vois, faire un peu le point, qu'est-ce que t'as trouvé le plus pertinent, est-ce qu'il y a des choses qu'on a développées à des moments hors lecture de pages qui peuvent être aussi cool, sur peut-être plus les techniques, ou peut-être plus des trucs comme ça, quoi, enfin... Ouais, c'est ça. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être des trucs que toi, tu vois, par exemple, les flashs d'écran, ce genre de trucs-là, où tu trouves que c'est un peu problématique. Mais on t'enverra une petite... Des trucs comme ça, quoi. On t'enverra une petite liste de choses auxquelles tu peux réfléchir en amont pour que t'aies un truc, déjà. Comme ça, tu pars pas de zéro, quoi. On t'enverra les questions de l'interview avant, t'inquiète pas. Tu pourras avoir une relecture. Tu pourras aussi bien entendu avoir un droit de réponse. Tu auras un droit de réponse, tels les journalistes que nous sommes. Voilà, alors juste on va faire un petit topo pour YouTube. Au revoir. On va faire un petit topo parce qu'il y a des trucs à vous montrer. Du coup, je vous avais parlé tout à l'heure d'un truc que c'était compliqué à montrer pour les strikes, qui était, tu te rappelles? Parce que moi, je m'en rappelle plus. C'est une bande-annonce, non? C'était une bande-annonce. Ah oui, la bande-annonce de Cruella d'Enfer. Cruella, ouais.
je vais essayer d'éviter de jarter les pages que nous avons ouvertes aussi. Hop, ça s'est rangé, ça s'est pas rangé. Je range tout. Et je range tout, ça va nous permettre d'éviter le strike sur YouTube. Et je vous montre Cruella, du coup, le trailer. Normalement, c'est pas censé être striké sur YouTube, mais bon, on sait jamais. Je vais couper le son pour bien faire une coupe. Qu'ils comprennent bien. Alors, si vous ne savez pas, l'actrice, c'est notre chère Emma Stone. Emma Stone qui a joué, donc, la première fois que moi j'ai découvert Emma Stone, c'était dans Supergrave, qui est en français. Et qui s'appelle Superbad en anglais, qui est sur les amours adolescents de deux jeunes gens, masculins spécifiquement. Sinon, qui a joué aussi dans La La Land. Oui, mais moi, j'ai parlé de la première fois où je l'ai vu. Oui, toi, tu l'as pas vu dans La La Land. Alors, attention, je vous mets le son. Hein. On va peut-être. Ah oui, non, alors attendez. Ah. Ah oui, c'est le moment d'utiliser les bons bails. Attendez. On va mettre en grand écran. Juste 3 secondes. C'est le moment d'utiliser le grand écran. Hop. On va faire une coupure vénère. Comme ça, c'est bien fait. Hop, Google Chrome Full Page. Voilà. Et tu vas me trouver cette page. Je crois que c'est dans Zombieland que je l'ai vu la première fois. Mm. Voilà, donc là, il y est deux fois. Donc c'est un peu débile ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Hop, quelle chronologie, c'est bon. Google Chrome, hop. Ah oui, c'est vrai que je l'ai mis en transparence la dernière fois. C'est pas grave. Je l'agrandis. J'agrandis ça. Voilà. Hop. Je pense que là, on est bon. On est plutôt... Ah oui, c'est vrai qu'il y a la transparence. Alors attendez, j'enlève la transparence. Parce que je fais des transparences bêtes comme ça, quand il y a du feu, en général. T'es trop éloigné du micro. Je fais... Oui, bonjour. je suis éloigné du micro, mais c'est pas de ma faute. C'est que je parle à l'ordinateur. C'est filtre. Ah oui, c'est filtre. Je suis en train de modifier des choses. Opacité, je mets à 100. Voilà. Donc c'est parti. La qualité, on va mettre du... Oui, bon, 1080. Beginning, I realized I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people. But I wasn't for everyone. Ça a l'air bien. Le préquel. I guess they were always scared that I'd be a psycho. A psycho. But a new day brings new opportunities. And I was ready to make a statement. C'était méchant. Bon, le dessin. How does the saying go? J'avais oublié que j'aimais bien les pouvoirs dans les Disney. I'm just getting started, darling. On est d'accord qu'elle mangeait des ananas. Non, elle est forte. Born bad. Elle a grave la bonne tête pour faire. Moi, pour moi, elle était un peu plus moche Cruella quand même. I'm Cruella. Ah, mais elle a une tête particulière, la Stone, c'était bien. Justement, tu vois, elle a la beauté d'un physique particulier. Mm-hmm. Bah, écoute, moi, je trouvais que Cruella, elle avait du sens. Enfin, je sais pas, à l'intérieur de... avec les 100 dalmatiens, quoi. Parce que c'était la méchante. Ah, mais il n'y avait pas la caméra, j'ai enlevé la caméra, c'est vrai. Excusez-moi, vous n'avez pas vu nos super réactions de visage. voilà. Donc, voilà, c'était bien, vous êtes contents, hein, j'espère, de cette qualité Disney, de tout refaire... à l'identique, mais pas pareil, et avec des vrais gens. Voilà, c'était bien. Hein. Mmh, on fera des réacts de films. On fera des critiques de films.
Vous savez qu'on peut le faire ici aussi. Voilà, mais en tout cas, là, c'est la fin. C'est la fin. Et du coup, la prochaine, la semaine prochaine, parce que ça sera la dernière, on viendra avec peut-être des trucs comme dans Among Us, là, les trucs de comment ça s'appelle, les chapeaux de fête et des cotillons, peut-être. Voilà. Bon, et bien à la semaine prochaine. Ouais, on a déjà fait la promo au début, mais vous voyez la promo en haut. Ne vous inquiétez pas, là-haut et là-haut. Voilà, suivez, abonnez-vous. Et des bisous, petit coq à nous, semaine B, demain, la semaine prochaine, mardi, c'est ça? Mardi, semaine B. Donc avec des nouveaux jeux, la nouvelle... Non, c'est la suite de la démo, qui est peut-être courte, c'est ça? Et moi, j'ai fini mon programme de cours, et donc du coup, je pourrais être là à l'heure, mardi. Voilà, pour la première fois depuis un mois. Voilà. Bon, du coup, semaine prochaine, pour le chronologie des femmes artistes, 32, la fin. Et demain, pour ceux qui veulent s'amuser avec nous à poser des questions à Françoise Vergès et à bien discuter sur Twitch avec Histoire Crépue. Des bisous. Des bisous. Ciao.